Et salut à tous, et bienvenue, là c'est l'Inclogis pour vous servir, et j'espère que vous allez bien, aussi bien que moi, pour un petit live d'après-midi pas prévu, puisque ça frappe, tu vois, j'y réfléchissais, et j'avais envie de relancer, et on peut pas pousser dessus, donc on va y aller. Reprise, la reprise de Dragon Quest Builders, oui. Mais pas vraiment. D'abord, on va se refaire le jeu, histoire de se remettre dans le bain, de réapprendre à jouer au jeu, hein, parce que ça fait quand même un petit moment que j'ai pas touché le jeu. Et oui, dans l'idée, on va reprendre les reconstructions de chaque ville, de chaque zone, tout ça, en tout cas les zones qui ont pas été faites, hein, parce que je vais pas refaire celles que j'ai déjà fait, sur le. Mais bon, voilà. Salut à tous. Hello Blue, hello Tina, hello Rod, hello tout le monde, hello ceux qui arrivent, j'espère que vous allez bien. Mais oui, voilà, on va reprendre Dragon Quest Builders, comme je dis. Je veux d'abord me refaire l'histoire, comme me remettre dans le bain, me redébloquer plein de choses. Parce que je ne vais pas rejouer à la version PS4 que, à laquelle j'ai joué pendant un bon paquet d'heures. Mais j'ai repris le jeu sur PC. Puisque ce sera bien plus pratique à stream pour moi.
et beaucoup plus tranquille pour modder le jeu au besoin, en cas de besoin pour des reconstructions, tout ça. Tout simplement. Et puis, bon, bah, vu que j'ai chopé une clé pour moins de 20 balles, pourquoi s'en priver? Sachant que la version Steam comporte tous les DLC de la version console, inclus dans le jeu de base. Donc voilà. Mais oui, non, mais pour le coup, ça fait. Ça répond aussi à cette fameuse vague du c'est quand que tu rejoues à Dragon Quest, et c'est quand que tu continues la reconstruction, et c'est quand que tu fais ci, et c'est quand que tu fais ça. Bah, on va y arriver, hein, voilà. Je me rends compte que je t'entends pas derrière mes quatre ventilos. Bah, quelle idée! C'est un super en train de planifier un set de screenshots pour l'arrivée de FF16, donc trop hâte que ça prenne vie. Tu m'étonnes. Vas-y, mais j'ai vu 2-3 images là, chier, hein. Il fait tellement envie. Le système de combat qui a l'air tellement énervé, tellement fluide, tellement Devil May Cry-esque. Quoi? Ah, bah oui. Bah oui, il y a un des gars qui a bossé sur Devil May Cry qui est dans l'équipe de FF16. Bah oui, je sais. Pourquoi tu crois que j'ai envie d'y jouer depuis à peu près 6 mois? Ah bah, fallait chercher. Maintenant j'ai un casque ouvert, donc j'entends tout autour de moi, les os qui piou-piou, t'as l'aventure du PC, tout ça. Non, ouais, non, je vis très bien mon PC. Enfin, mon PC, bon casque, ou fermé. Bon! Non, puis en plus j'ai entendu une musique de FF16. Ah, Soken! Ah, bordel de bille de Dieu! Je sais pas quand est-ce qu'elle est, cette musique. Hein. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est dans la démo. Que la démo est globalement le début du jeu. Donc si le niveau musical du début du jeu correspond au niveau musical de tout le reste. Si t'as entendu. Ça que tout le monde a entendu, Find the Flame. Alors, j'ai aucune idée de comment elle s'appelle, je vais être honnête. J'avoue que le trailer de FF7 Remake aussi a fait très très envie. Voyons. Find the Flame. Et après, on va jouer à Dragon Quest. Ah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit celle-là. Celle-là. Il me semble que c'est celle-là. C'est littéralement une des premières musiques qu'on a entendues dans les trailers de présentation. Celle de le thème de Clive, d'accord. J'avoue, j'ai quasiment rien. Bref, on va arrêter de se faire du mal. Elle s'appelle comment sinon? C'est pour un ami. J'en ai. Attends, faut que je réouvre. Je sais même pas si j'ai vu le titre.
Alors sur la vidéo que j'ai, c'est Eikon Boss Fight. Eikon Boss Fight. Bon, du coup, let's go Dragon Quest un peu là. Alors, tac. Tac, français, oui. Ça c'est beau. Qualité. Tout à fond, s'il vous plaît. Merci. Let's go. Alors, le son va peut-être être fort, hein, j'ai jamais lancé le jeu. Sur PC en tout cas. Désolé d'avance, la direction, des bisous. Ouais, c'est fort. On est donc à 10%. Ça me paraît bien. Ça me paraît bien mieux. Allez hop! Let's go! Vous me direz pour le son si jamais, si je remonte ou quoi. Mais c'est parti! Savoir de créer votre perso! Bon, sachant qu'on peut changer ça absolument n'importe quand. Mais j'avoue qu'on a fait notre première aventure en mec, on va faire Dylan. Vivement les orages de demain. Tu... Dans ce sens, je comprends, mais nous, on a passé... Pas de changement de coiffure. Non, au début, malheureusement, il n'y a pas de changement de coiffure. C'est des trucs que tu débloques un peu plus tard. Ça va être une île anaquette! Oui. D'accord. Oh. Ah, faut faire les premières mini-médailles et tout ça, non? De mémoire. D'accord. Ah oui. Par contre, si je fais des fautes, ça va pas le faire. Tac. Mieux. Ça délataquette. Exactement, en un seul mot. Vous pourrez modifier l'apparence, le sexe, le nom de votre perso lorsque vous aurez suffisamment progressé dans le jeu. Alors, les options. Ça, on reste comme ça. Le contour, on garde. Les vibrations, on vire. Les icônes, il faudra qu'on teste en jeu. La rotation, on va l'améliorer. Carte minimaliste et rétro, je sais plus comment à quoi ça correspond. Ça, on va faire rotation. Effet sonore, on va baisser un tout petit peu. Luminosité, c'est très bien. Vitesse d'abaissage, rapide, s'il vous plaît. Transparence de l'eau, moyen. Voir l'eau à travers le verre, oui. Ajustement d'ici, oui. Vitesse des jumelles du bâtisseur, on va le mettre sur normal. Croissance des plantes, évidemment. Sensibilité de la souris, on s'en fout. Paramètres graphiques. Oui, on s'en fout. Oui, non mais ça c'est bon ça.
Tac. Voilà. Let's go. Un peu dommage, mais ok, au moins on peut le faire plus tard. Oui, de toute façon, après, plus t'avances et plus tu vas débloquer des masses de cosmétiques. Donc, voilà. Mais oui, t'es obligé de commencer avec un mec coiffure Vegeta et une femme coiffure Aquette. Autant dire Oui. Vegeta ou Bulma. Ah, Bulma, elle a pas eu des coiffures comme ça, je crois. Si, de Dragon Ball, elle avait des potes. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. En avant, mes enfants, détruisez tout sur votre passage. Ah oui, c'est vrai que ces messages-là mettent du temps à passer. J'avais oublié ce détail. Suivant les ordres du grand prêtre Chaos, ses serviteurs du Chaos avancèrent, rang après rang, pour dévaster le monde et insuffler la peur dans le cœur des humains. Notre père impie abandonna sa forme humaine pour que Malros, le maître de la destruction, puisse renaître. Et que le monde soit consumé par les fléaux. Bienvenue en Eorzea. Hélas, le puissant Malros fut vaincu par l'ignoble engeance d'Elric avant que le glorieux dessein de Chaos se réalise. Le gars de la lumière, en effet. Va nous faire une Jack. Chaos. Faut qu'on le continue d'ailleurs. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis ce jour fatidique. La paix règne désormais et notre ordre est dispersé aux quatre coins du monde. Dites-moi, mes frères et sœurs, que fait un monstre quand il se retrouve acculé? Il mord, bien sûr. Nous devons tout faire pour détruire ce monde. Hurrah, vive Chaos, loué soit Malros. Ô père démoniaque, écoutez notre prière. Délivrez-nous de ce monde de l'oubli. Guidez nos pas pour que nous bâtissions notre royaume des ténèbres. Non, une petite cinématique d'intro, non? J'aime beaucoup d'ailleurs cette cinématique. Ah non, pas encore. Ah oui, non, c'est après. Dylan? C'est après, oui. Tu es l'héroïne qui sauvera ce monde. Debout, mon enfant, ta destinée t'attend. J'aime bien la tenue de départ du perso femme. Tu verrais ta tête, je te taquinais, mon enfant. T'es pas une héroïne, je le sais bien. Tu es une de ces bâtisseuses, n'est-ce pas? Non? Tu racontes des cracks. Je sais de source sûre que tu es une bâtisseuse. Alors arrête ton numéro! Enfin, au moins t'es pas une maîtresse bâtisseuse, et encore qu'une apprentie. Mais ça fera l'affaire. D'ailleurs, j'ai un travail parfait pour toi. Quand t'auras les yeux en face des trous, monte me retrouver sur le pont. Déplacez votre personnage. Hop là, hop là, et caméra. Mais ouais, j'aime bien la tenue de base, elle est cool. De toute façon, pour l'instant, on va rien pouvoir faire de spécial. La bâtisseuse, dis-moi, est-ce que tu as peur des héritiers de Chaos? Tu veux quitter ce cercueil flottant? Ces eaux sont maudites, le courant porte des voies étranges, et de nombreux vaisseaux ont disparu avec leur équipage. Et là, tu as peur? Pas autant que moi, je t'assure. Je compte bien quitter ce navire en perdition dès qu'une opportunité se présentera. Wouah! C'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, oui, un déserteur, voilà, merci. Je vois que tu ne crains pas les marches, rien ne t'arrête, on dirait. Bien, comme tu l'as sûrement remarqué, nous sommes en pleine mer. N'a aucune chance de t'enfuir, alors pas la peine de tenter le diable. De toute manière, tu n'iras pas bien loin. Tu n'as que la peau sur les os. Tiens, goûte-moi ça. Ça vient tout droit de la table du capitaine. Ma table, en gros. Nice. Un morceau de varech.
En Varèche ou Varek? Ça, j'ai jamais su. En fait, j'ai toujours dit Varèche parce que à cause de Guldor 1. Mais bref, des algues. Mais elle ne sait pas quand remonte son dernier repas. À la simple évocation de nourriture, son estomac se met à gronder. Toujours entendu Varek. D'accord. Cauchemar dans l'assiette. Que vous le croyez ou non, ce donc Varek est comestible. Sélectionnez-le, appuyez sur carré pour manger, ceci remplira votre jauge de satiété et vous redonnera quelques PV. Nom 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 nom. Donc en haut à gauche, PV et le pourcentage, la satiété. Bien, ces algues sont délicieuses, pas vrai? Leur arôme acré et leur texture gluante me donnent des frissons. Tu devrais remercier ta bonne étoile d'avoir pu engloutir un mets aussi délicat. Parce que ce sera sûrement ton dernier repas. Oui, tu as bien entendu. Dans peu de temps, tu seras morte. Et merci Kéros pour le follow. Merci à toi et la bienvenue. Bienvenue sur cette reprise de Dragon Quest Builders. Ne t'inquiète pas, tu as encore le temps de profiter de ta dépouille mortelle. J'ai encore quelques tâches pénibles à te confier avant ça. Allons, ne prends pas cet air apeuré, je ne vais pas t'envoyer au cimetière tout de suite. Tant que tu es en vie, je te laisserai l'occasion d'en profiter, à condition que tu suives mes ordres à la lettre. Oui, monsieur. Quoi? Tu veux savoir qui nous sommes et qu'est-ce que tu fais ici? Si tu veux vraiment savoir dans quel pétrin tu es, je te conseille d'aller parler à ces 5 monstres sous le drapeau là-bas. Ah bah monsieur, bien monsieur. Médivande, Canoc, Ruislune, c'est de ces 3 royaumes que viennent les horribles... Oui, les horribles... Les horribles, avec un Z. C'est les horribles zéros. Les descendants d'Elric, ceux qui ont vaincu le puissant Chaos. Dans un dernier souffle, notre chef abandonna sa forme mortelle pour que Malros, le seigneur de la destruction, puisse naître. Hélas, lui aussi fut vaincu. Mais qu'est-ce que ça signifie? Mais est-ce que ça signifie qu'il y a plus d'espoir? Non. Les ambitions de Chaos n'ont pas disparu à sa mort. Un jour viendra où nous mènerons ce monde à sa perte. Bonjour Glumed. Nous sommes le dernier survivant des héritiers de Chaos. Ceux qui n'ont pas fini piétiner. Nous allons faire plier ce monde au nom du superbe et du glorieux grand prêtre. Pourquoi je fais autant de bruit? C'est parce que je salive à l'idée d'écraser tous ces glumins pour de bon. Alors là, 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 là. Ce bateau n'arrête pas de tanguer à droite, à gauche. Je sens que je vais être malade. Mais tu voles. Nice. Et qu'est-ce qu'il y a? Tu veux savoir vers où on navigue? Aucune idée! Les gros bonnets n'en parleraient jamais à un pauvre petit vampivole comme moi! Tiens, tiens, ce serait pas Madame la Bâtisseuse? Tu n'es qu'une apprentie, mais tu te pavanes comme si tu étais Zeto Aizy. Franchement, impossible de faire un pas sans croiser une bâtisseuse insolente bien décidée à défaire notre travail ces temps-ci. Le monde va disparaître, c'est certain. Nous n'avons pas le choix. Nous devons éliminer les bâtisseurs zénants un par un. Tu serais pas cette apprentie bâtisseuse qu'on a capturée à Cantlin? Je dois avouer que j'ai de la sympathie pour toi. C'est vraiment pas drôle d'apprendre que sa fin est proche. Alors tu as parlé au reste de l'équipage? Bonne fifille. Donc tu sais tout, nous sommes les survivants des héritiers de Chaos, serviteurs du puissant maître de la destruction. Et vous, les bâtisseurs, êtes notre ennemi juré. Oh, ouais, oh, doucement avec ton tarap à fromage, là. Nous voguons sur les océans pour attraper les vermines dans ton espèce et tous ceux qui se dressent sur notre route. Hein? Tu veux savoir ce qu'on a fait avec... ce qu'on fait avec tous ces bâtisseurs? Seuls les hauts placés le savent vraiment, mais j'ai ma petite idée, et je pense que vous allez tous y passer. Enfin, profitons au maximum du temps qui te reste ici. Estime-toi heureuse de pouvoir te rendre utile, parce que ta dernière heure approche. Bien monsieur, bien monsieur.
Écoute-moi bien, bâtisseuse. À moins que tu aies envie de passer le reste de ta vie derrière les barreaux, ou pire, fais ce que je te demande. Alors voilà le topo. La tempête de la nuit dernière a bien secoué mon navire. J'aimerais que tu remettes tout d'aplomb. Pour commencer, j'aimerais que tu détruises tout le bois flotté disséminé sur le pont et que tu me rapportes le bois quand tu auras fini. Allez, au travail. Triomphe pour frapper. Et faire quelque chose d'utile. Oula 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 oula. Voilà, ça finit, monsieur. Bien, bien. Mon pont a meilleure mine maintenant que tu as ramassé tout le bois. Bon travail. Bien sûr, j'imagine que tenter de sauver ta peau te donne des ailes. Tu veux savoir pourquoi je te laisse une chance? À vrai dire, en tant que serviteur du maître de la destruction, je ne suis pas censé fraterniser avec ceux de ton espèce, mais vu l'état de mon navire, pas le choix. Enfin, tu n'es pas vraiment une bâtisseuse. Juste une apprentie, alors je pense que tout va bien. Il ne me renierait pas juste pour ça, pas vrai? Enfin, assez taillé le bout de gras. Si tu tiens encore à la vie, je te conseille de continuer à faire du bon travail. N'oublie pas, tu peux récupérer toutes sortes de matériaux utiles en brisant les objets. Fais juste attention à ce que ta cible ne puisse pas répliquer. Du coup, on fait quoi si c'est elle qui commence? Tu es quelqu'un d'étrange. Depuis que je t'ai sorti de ta cellule, tu te balades sur mon pont et tu parles à mon équipage comme si de rien n'était. C'est toi qui m'as demandé de le faire. J'ai même l'impression que tu t'amuses bien. Quelque chose doit clocher chez toi, je ne vois que ça. Ça m'a maman dit que je suis spécial. Franchement, comment expliques-tu ton sourire, Béa? C'est parce que je suis spécial. À ta place, la plupart des prisonniers seraient morts de peur, mais pas toi. Quoi? Tu as toujours cette tête quand on te confie du travail? On dirait qu'on ne te fait pas peur. Je ferais bien de t'occuper ou tu risquerais de tenter un coup tordu. Un coup spécial? Heureusement, il y a de quoi faire. Commence par aller voir les hommes sur le pont et reviens me voir quand tu auras fait ce qu'ils te demandent. Ah, monsieur. Je s'occupe de tout. Je t'ai bien observé, bâtisseuse. Je t'ai vu crapahuter sur le pont pour ramasser tout le bois que tu as pu trouver. La tempête qui a fait les ravages la nuit dernière a emporté nos feux de navigation. Et on peut les reconstruire, non? À savoir, j'aimerais que tu utilises le bois que tu as récupéré pour fabriquer de nouvelles torches. Tu vois cet établi vétuste là-bas? Utilise-le pour fabriquer 5 torches, tiens. Tiens, je crois qu'il te faudra cette huile pour les fabriquer. En même temps, le perso est un peu con. Oui, mais elle est pas con, elle est juste spéciale. Une fois que tu auras des torches, place-les aux endroits appropriés. Oui. Clairement. Repère-toi aux 5 blocs noirs. Il y en a un près de l'établi et 4 autres près de l'escalier qui mène au pont inférieur. Place une torche sur chaque bloc. Ne me déçois pas, bâtisseuse. Fabrique les 5 torches et place-les. Reviens me voir quand on aura terminé. Vous pouvez construire des torches en utilisant l'établi vétuste. Sur un établi vétuste, pardon, en utilisant les matériaux présents dans votre inventaire. Du bois. Et il a dit. Oh, il a dit 5 torches. Hein. Oui. Vous pouvez placer les torches, sélectionne et carré. Bien fini. On dirait que tu sais suivre les ordres. Les flammes de signalisation sont plus brillantes que jamais. Pour un navire comme le nôtre, elle pourrait être un peu plus sinistre, mais je vais pas me plaindre. Le pont est à nouveau éclairé. Je trouve que ta capacité à créer me perturbe. Enfin, peu importe. Très vite, tu ne seras plus d'aucune utilité. Et nous n'avons pas encore terminé avec toi. D'autres sur ce navire ont peut-être encore besoin de tes services. Va les voir, je te prie. Oui, monsieur.
Tiens, voilà la soi-disant bâtisseuse. On dirait que tu te sens comme chez toi ici, avant de te voir courir partout. Qu'est-ce que t'as? Tu me rends utile. Tu rends des services aux autres sur ordre du capitaine, et tu veux que moi aussi je te confie du travail? Eh bien, tu peux soulager l'ennui qui me ronge d'être coincé sur ce maudit navire si tu n'as pas peur de risquer ta vie. À vrai dire, je me suis toujours demandé si les bâtisseurs savaient se battre. Mais dirais-tu d'un peu de corps à corps avec un monstre? Hé, hey, toi! Ça te dirait d'affronter cette gamine? Essaie de pas la tuer par contre, hein? Très bien, oh les cœurs alors! Je te préviens cependant, ce squelette est vraiment dérangé. Viens me voir après le combat, si tu peux encore marcher. Mais des patates, moi! Non mais... Eh ben, tu te bats beaucoup mieux qu'on pourrait le croire, je l'admets. Mais tout ce que tes petits poings ont blessé, c'est mon honneur. Enfin, rien de surprenant. Tu n'es pas très large d'épaule pour une bâtisseuse. Ça présage rien de bon pour ta future carrière, tu crois pas? Heureusement que tu n'as pas de soucis de ton avenir. Très bien, vas-y. Va dire au maître d'équipage que t'es une mauviette. Ouais, je l'ai fait. Tu te bats comme une mauviette? Les bâtisseurs sont pas vraiment faits pour se battre, finalement. Comment? Tu l'aurais ridiculisé si t'avais eu l'arme? Tu parles comme si tu allais l'assommer avec une de tes torches que tu fabriques là. Laisse-moi rire. C'est quoi ton livre? J'ai fait des jolis dessins dedans. C'est exactement, c'est mon carnet de coloriage. Et on apprend à faire le bâton de cyprès, taillé pour être utilisé comme arme. Ne reste pas là à sourire bêtement. Dis-moi ce qu'il y a de si drôle. Bah j'ai eu l'idée, du coup j'ai décidé un bâton. Quoi? Tu viens juste de comprendre comment fabriquer un bâton de cyprès? Ça alors, tu veux dire que les bâtisseurs peuvent non seulement fabriquer des choses, mais aussi y en inventer? Eh bien reste pas planté là. Je vois le geste à la parole et fabrique ce bâton de cyprès alors. Tu sais où il est établi, n'est-ce pas? Oh, autre chose. Une fois que tu auras réussi, n'oublie pas de t'en équiper, hein. À quoi te servirait une arme, sinon? Oui, hein, vous l'aurez compris, on est dans le tuto, hein, voilà, globalement. Donne-moi un bâton! Carré pour l'utiliser, c'est de vous équiper du bâton pour infliger des dégâts supplémentaires. Mais on peut faire... Oulier. Là, c'est à la fois si loin et si près, c'est ça? Ouais. Alors voilà notre génie avec un bâton à la main. Là, t'as la tête de l'emploi. Dis-tu, tu veux retenter ta chance contre ce sac d'os, maintenant que t'as une arme? Oui! C'est bien. Il me tarde de voir cet idiot essayer de rassembler ses morceaux une fois que t'en auras fini avec lui. Oh, phase 2! Non, mais... Une défaite sanglante. Je ne sais pas si je vais pouvoir recoller les morceaux. Allez, te prive pas d'aller voir le maître d'équipage pour te vanter de m'avoir battu. Eh ben, t'as donné une bonne leçon en sac d'os, hein. Je vous jute, hein, une blague facile est une blague calme. Ouais, on est habitué en même temps. Dans quel état il est, hein? Il est plus bon qu'à se faire ronger par un chien. Quoi? T'as de la peine pour lui? Bon. Du jamais vu. Ouais, je parie qu'aucun humain n'a jamais pleuré pour un monstre. Ça serait pas de me lécher les bottes quand même, hein? J'ai fermé ma bouille parce que je savais que t'allais la faire. Enfin, merci beaucoup, bâtisseuse. Hein. Au moins, ça m'a aidé à passer le temps. Je crois même avoir appris quelque chose aujourd'hui. Vous les bâtisseurs, vous ne savez pas vous battre à main nue, mais avec une arme, vous êtes redoutable. Mais la journée n'est pas encore terminée. Je parie qu'il y a encore quelqu'un à bord qui a besoin d'aide. Ma parole, t'as pas perdu de temps? D'abord des torches et maintenant un bâton? Et comment on se considérer comme bâtisseur sans aucun outil? T'en as d'ailleurs? Non.
Hélas, non, à part ce bâton, tu n'as aucun outil. Quel dommage. Bon, et si on réglait ça, hein? J'ai confisqué cette paire de gants au bâtisseur en cellule dans la cale. C'est pour toi. Ils te permettront de soulever tout un tas d'objets sans avoir à les briser au préalable. C'est idéal pour bien ranger tes affaires. Sans plus attendre, grâce à tes nouveaux gants, récupère tous les tonneaux disséminés sur le pont et place-les sur le tapis à côté de moi. Et une dernière chose, si tu utilises une souris... Oh. Non, j'utilise pas de souris. Les souris, c'est pas dans le bâtiment, hein. Excusez-moi. Et on obtient notre premier outil, les gants. Qui permet de ramasser des choses. Parce que sinon, on sait pas ramasser. Il y a des techniques de ramassage, hein. D'ailleurs, on peut ramasser le reste ou pas? En vrai, excusez-moi, mais... Je récupère, hein, ça servira. C'est tombé. Baboum! Au travail, six tonneaux parfaitement rangés. Sans d'accord pour dire qu'une paire de gants est un outil indispensable pour tout bâtisseur en herbe. Je croyais que les jeunes d'aujourd'hui n'étaient que des bons à rien, mais après ce que tu m'as montré, je devrais peut-être changer d'avis. Non, non, c'est juste le spécial. Et là, sur un beau suer sang et eau, tu seras toujours une bâtisseuse, l'ennemi juré de notre ordre. Je crains que ton séjour parmi nous ne soit pas très long. Mais ce n'est pas à moi de décider de ton avenir, cela incombe au capitaine. Apparemment, tu as aidé tous ceux qui en avaient besoin. Va vite informer le capitaine que tu souhaites accomplir d'autres corvées éreintantes. Bien, monsieur. Pas mal, pas mal. On dirait que tu as fait tout ce qu'on t'avait demandé. C'est beau de voir quelqu'un se donner autant de mal pour nous les monstres, et sans jamais se plaindre. J'avais encore quelques doutes, mais c'est terminé. T'adores faire ça, pas vrai? T'es vraiment quelqu'un de bizarre, tu le sais, ça? Oui, bah, c'est pas la peine de le dire à chaque fois, je le sais. Mais je veux l'entendre de ta propre bouche, tu aimes construire des choses? Non. Tu parles! Je t'ai vu le sourire aux lèvres là-bas. Tu adores construire des trucs, ça saute aux yeux! Tu as tout d'une maîtresse bâtisseuse. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas te laisser en vie. Comme les bâtisseurs sont nos ennemis jurés, tu ne comprendras que je ne peux pas te laisser aller et venir sur mon navire tout en fabriquant des tas d'objets à ta guise, hein. Mes excuses, petite, mais je vais devoir séparer cette tête souriante de tes épaules dès maintenant. Ah, je te taquine. N'aie pas peur, je ne vais pas vraiment te couper la tête. Enfin, tant que tu restes dans mes bonnes grâces. Après tout, je n'ai aucune envie de perdre quelqu'un d'aussi travailleur que toi. Je pense que tu as tout ce qu'il faut pour devenir un bon petit matelot. Et en plus, j'adore ton attitude. Qu'est-ce que t'en penses? Tu veux rejoindre mon équipage? Ne dis rien. Je vois que la joie t'empêche de me remercier. En fait, je voulais te demander autre chose. C'est quoi ce gros livre que tu as là? Je n'ai jamais rien vu de tel. J'ai fait des coloriages dedans. Hein? D'où viennent ces gouttes d'eau? Tu me diras ça plus tard, petite. On dirait qu'une nouvelle tempête approche. Il nous a fait un slide, là? Ah, une apprentie bâtisseuse? Tu feras l'affaire. Ouais, on peut pas les passer, ça, je rappelle. À toi de créer ce monde. Ou de le détruire. Au moment où tu dis d'où viennent ces gouttes d'eau, ça commence à pleuvoir de ouf chez moi, hein. Super, hein. Ah bah, fallait le dire, j'aurais dit ça plus tôt.
Maintenant, approche, mon enfant. Je me rappelle que sur Let's Play YouTube, ces trucs-là, je les cutais à chaque fois. Juste pour voir le dialogue au moment où je le dis, et puis paf, on cut au dialogue suivant. Hé hey, toi la sourdingue, pourquoi ces yeux de mal en frit? Tu m'écoutes ou quoi? Je t'ai dit de retourner en bas, c'est beaucoup trop dangereux pour les marins d'eau douce de ton espèce. Oui. Et GG Rod pour level 286. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Non. D'accord. Un capitaine dans la cale, vite! On est dans la glu ici! Sans j'aime pas ça. Tenez bon, j'arrive! Va bien, bâtisseuse? Je peux pas m'arrêter pour aider une humaine. Trouvez dans la cale! Chaos nous garde, tout va mal, très mal! Eh hey, bâtisseuse, ramène ta carcasse, frêle ici, et que ça saute, on a besoin de toi! Du coup, tu disais le mec en haut? Ouais. J'espère que tu reviens pas me voir en espérant une récompense. Une réponse, pardon. Tu dois retourner et te réfugier dans la cale avant de finir comme moi. Ah, du coup, je l'ai pas eu? D'accord. Ouais. D'accord. D'accord. Par ici, bâtisseuse. Bâtisseuse, tu dois faire quelque chose? Je vais passer par-dessus bord et je sais pas nager. Mec, t'es dans une pièce, comment tu veux passer par-dessus bord? Qu'est-ce qui t'a pris aussi longtemps, hein? Mauvaise nouvelle, bâtisseuse. On a heurté un récif et un rocher à traverser la coque. Si on ne répare pas très vite, on va boire la tasse. Je sais pas si ça fonctionnera, mais essaie de placer une caisse dans ce trou. T'as une paire de gants, n'est-ce pas? Alors certain. Mais techniquement, c'est un squelette. Du coup, est-ce qu'il peut réellement se noyer? Suivez-moi, question existentielle de monstre, Dragon Quest. C'est passé tout près, mais t'as réussi. Tu as sauvé mon... Hop, oh, partout, mes os. Encore des trous! Ah, on prend l'eau! Fais quelque chose, utilise d'autres caisses et bouge tous les trous! Oh, c'est nul, ça marche pas! Oh, ce jeu pas fun quoi! Sauve la mise, bâtisseuse ou pas, je te dois une fière chandelle. Mais notre collision avec ce rocher a ruiné la coque. Prochaine vague pourrait bien nous... Ah, je le savais! C'est une course contre la montre, bâtisseuse. Place d'autres caisses dans ces trous, et vite! Toujours pas? Oh, on dirait de la magie. Aïe. T'as consolidé mon navire comme il faut. Consolidé, pardon. Je ne sais pas où je serai sans toi. Il tiendra encore un moment, mais je ne sais pas combien de temps. Oh, partout mes os, c'est la fin. Regarde ça. On n'a pas de caisse assez grosse pour boucher un trou de cette taille. Ah, puis là, tu peux mettre ton doigt, ça marchera pas. Ah, foutu. La cinématique, que j'aime beaucoup.
Le rendu de l'eau, je le trouve tellement stylé. Fun fact, si on joue avec un mec, à la place de notre perso, il y a le perso mec. Et je trouve ça très cool. C'est tout con, mais j'aime bien. Bah, de toute façon, j'aurais dit, hein, les Dragon Quest, hein. Toujours des intros très sympas. Si t'arrives. Descend, elle se laisse tomber au lieu de sauter. Pa 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 pam. Hélène s'éveille sur une plage. En jugée par les morceaux d'épave éparpillés sur le sable, elle a fait naufrage sur une île déserte. Elle décide d'explorer les alentours. Ah ouais, bah du coup j'ai les torches, ça sert à rien, j'ai tout reperdu en fait. Excuse-moi, mais avant de décider d'aller visiter les alentours, le pillage! Ça part encore. Pour l'instant on pourra casser que le bois. Daniela entend une voix. Y'a rien ici. Complètement désert. D'ailleurs, où je suis? Et comment j'atterris ici? La voix mystérieuse semble provenir de l'autre côté des rochers. Rien ne devrait pouvoir creuser un chemin dans le sable pour atteindre l'autre côté. Mais d'abord, donne le loot! C'est bon, il n'y a pas d'autre bloc à sable là. Il n'y a pas d'autre bloc à sable. Bah, je crois qu'on est bon. Ah, petit débris par là. Hop là. L'île de l'éveil, la terre de tous les possibles. Ce ciel, quelle couleur bizarre. Est-ce que je suis mort? C'est donc ça l'enfer? Hein, c'est quoi ce bruit? Eh hey, quoi de quoi, t'es qui? Excuse-moi Michel, je vais d'abord piller. Hein.
On parlera après. Il y a vraiment un PTDR Teki, très bien. Ah oui, 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 absolument. De vague mémoire, je crois que quand tu joues un perso mec, c'est un truc du style « Eh, les bourrifés, Teki !» Il me semble que c'est un truc dans ce style-là. Une survivante, pas trop tôt. C'est comment on s'est retrouvé ici? J'étais sur un bateau et puis pas pouf. Allô. Mon navire a fait naufrage et t'es réveillé sur cette plage. Comment ça se fait que tu sois la seule à rescaper? T'es invulnérable ou quoi? T'appelles Nilan et t'es apprenti bâtisseuse. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais félicitations quand même. Hein. Bref, moi c'est Malros. Allez, suis-moi, j'ai quelque chose de morbide à te montrer. Ouais, clairement. Eh ben quoi, me dis pas que j'ai affaire à une âme sensible. Allez, viens, tu seras pas déçu. C'est par là. Par là. Ah. Et dire qu'on va probablement faire notre pire erreur de tout le jeu, hein. Dans les 20 premières minutes de jeu. Pas d'objet de lui parler. On peut pas la... Enfin, genre juste tu mets la tête sous l'eau et puis oh bah, quand elle bouge plus c'est que c'est bon. Ouais c'est ça. Si seulement. C'est ce que j'appelle manger les algues par la racine. Je parie que t'as jamais vu rien vu de pareil. Visiblement on essaie de rescaper du naufrage Nilan. Comment ça tu te souviens pas de m'avoir vu à bord? Si c'est vrai, bah alors comment? Mais qu'est-ce que... Cette fille respire encore. Elle a plutôt mal en point. On aurait mieux mettre fin à ses souffrances, tu vois, mon avis. Si seulement. Ah, si seulement. Est-ce qu'on est, pour moi, sur le pire PNJ du jeu? Très clairement, oui. Ah. Où suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Des pirates! Des vilains pirates sans foi ni loi, vous allez m'enlever et demander une rançon pour me libérer, c'est ça? Non, on va juste te tuer. Et la voilà partie. Ah, pas langue dans sa poche, hein. Sur mon avis, on devrait la faire taire une bonne fois pour toutes. Bon, je m'en occupe. Ah oui, vas-y. Vas-y, go, fonce. Approchez pas, hein, si vous comptez me capturer, vous pourriez au moins me dire où on est et comment d'arriver ici. Ça a pas l'air d'être la planche la plus lustrée de l'embarcation, Jacqueline. Ah, mais très clairement pas. Ouais. Nous sommes sur une île, déserte, mis à part quelques cadavres et 2-3 rochers. Et la nettoie avait dû faire naufrage ici quand votre navire a coulé. Aussi, ouais. Une petite minute, on se connaît? Ah oui, ça me revient. T'es la bâtisseuse qui était à bord avec moi. C'est qu'il arrêtait pas de sourire bêtement tout en obéissant aux ordres des monstres. T'étais de mèche avec eux, hein, donc tout ça, c'est un peu ta faute. Alors comment tu comptes te racheter? En fabriquant ce dont on a besoin pour survivre en attendant qu'on vienne nous sauver?
Bon, c'est vrai que même une amatrice dans ton genre devrait pouvoir se servir de cet établi vétuste, pardon, pour fabriquer le minimum vital. En fait, moi c'est Lulu, hein. Bon alors, de quoi on va avoir besoin? Voyons voir. Le desiderata de Lulu. Super. On va avoir besoin d'un abri pour se protéger des intempéries et en attendant les secours. Je supporte pas bien le soleil et j'aimerais bien survivre jusqu'à leur arrivée. Il nous faut des murs d'au moins 2 blocs de hauteur ainsi qu'une porte. Voyons voir, pourquoi ne pas retaper cette vieille cabane? Tu devrais pouvoir réutiliser des morceaux d'épave pour effectuer les réparations. Utilise tes gants pour éviter les échardes. Mais bah oui. On risque d'être coincé ici un moment avant que quelqu'un vienne nous chercher. Donc on devrait sérieusement songer à trouver de quoi manger. Juste ce qu'il faut pour moi, t'inquiète. Il devrait y avoir des coquilles irisées sur la plage. Va en ramasser quelques-unes et fais un feu de camp pour qu'on puisse les griller. Qui dit feu dit bois. Heureusement, entre les morceaux de bois flottés et les tonneaux brisés de l'épave, tu devrais pouvoir y trouver ton compte. J'aime tellement les petits pictos, ils sont cool. D'ailleurs, petits pictos qui changent en fonction de si tu joues le mec ou la fille. Maintenant, il me faut un lit, un vrai. Tu crois quand même pas que je vais dormir sur ces sales rochers rugueux? Bon, je m'attends pas à un grand luxe, hein, mais pour l'instant, on devra se contenter de 3 paillasses. Place-les dans la pièce quand on aura terminé. Dis donc, on va pas commencer à nous donner des ordres, la peste, là! Et boucle-la, l'homme des cavernes. Et puis c'est quoi cette tenue à peine décente? Tu crois impressionner qui avec tes muscles saillants? Répète un peu pour voir, tu vas voir à quoi ils servent, ces muscles. Ah, Bâtisseuse, tu vas faire ce que je te demande, pas vrai? Tu ne laisseras pas une pauvre demoiselle retourner à l'état sauvage, hein? Non. Pardon, j'ai pas bien entendu avec le bruit des vagues. Laisse-moi deviner, tu vas tout faire et Jacqueline ne rien branler. Absolument! Ok, elle me les casse déjà. Ouais, voilà. Je vous présente à Lulu dans toute sa splendeur. La casse-couille de l'île. J'ai... Tu lui as fait un magnifique. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que je l'ai pas forcément dit. Mais, donc si, ça je l'ai dit. On va refaire les... Enfin, on va continuer les constructions. Une fois qu'on aura fini le jeu, on va reprendre les constructions, les reconstructions de villes qu'on avait pas encore faites. Donc Ruislune, entre autres. Et ce que j'avais déjà commencé à construire sur l'île de départ, enfin sur l'île de l'éveil, je le referai clairement. Parce que, autant on avait fait Verchamp, on avait fait au charbon, et j'avais commencé à essayer de voir un petit peu les plans que je voulais faire pour Ruislune, mais j'avais déjà terminé une partie de ce que je voulais faire sur l'île de l'éveil. Je vais le reprendre au bloc près, ce truc-là. Parce que c'est un truc que je n'avais pas montré, que j'avais teasé mais pas montré. Mais vous verrez, je le reprendrai très clairement. Perso qui te fait regretter de ne pas pouvoir répondre ce que tu veux très clairement. Tu peux aborder ces tâches comme un genre d'apprentissage. Comme ça, quand tu deviendras une vraie bâtisseuse, ce sera grâce à moi. Apprentissage, pour qui se prend la peste? Tu te souviens quand j'ai suggéré de mettre fin à ses souffrances? J'aurais plutôt dû dire nos souffrances. Ah, cette fille me tape sur les nerfs. Quand elle est pas en train de se plaindre, elle nous traite comme ses laquais. C'est intenable. Ne laisse pas te donner des ordres, d'accord? T'es apprenti bâtisseuse, pas femme de chambre. Ouais, je sais bien qu'elle est coincée ici, mais ça veut pas dire que t'es obligé de l'aider. Hein. Ah, est-ce que tu peux être niaise des fois? Elle est pas la seule à avoir fait naufrage, hein. Crois-moi, la vie, c'est mieux quand on pense d'abord à soi. Mais mettre fin à ses souffrances, mais également fin à nos souffrances. Ah oui, absolument, hein. Au fait, je voulais te demander la profession de bâtisseuse. Est-ce que ça a à voir avec la haute couture? Enfin, quoi qu'il en soit, j'ai décidé de te donner un coup de main. C'est mieux que d'avoir à subir ces bavardages, là. Alors, tu vas faire quoi en premier? Suis mon avis, tu devrais commencer par rafistoler ces murs. Quelques planches pour boucher les trous et hop, t'auras bâtissé une nouvelle pièce. Bah ouais. pour tout te dire, j'ai complètement oublié ce qu'elle a demandé d'autre. Hein. Reparle-lui si t'as besoin de te rafraîchir la mémoire.
En vrai, j'aime bien. C'est très con parce que Balros est un PNJ qui sert vraiment, qui a vraiment une utilité. C'est pas juste le mec qui te suit et puis basta. Il a vraiment une utilité dans le jeu et je trouve ça vraiment cool. Bon, à la construction, non. Mais pour d'autres trucs, oui. C'est vrai, c'est un peu le Garrus de Dragon Quest. C'est bon, j'ai bâtissé une pièce. Ah, Dylan, t'as réparé ma chambre. Et si les monstres viennent nous attaquer, je pourrais m'y enfermer. Ah, pas trop mal pour une apprentie de rien du tout. Au fait, une pièce doit être munie d'une porte et de murs de au moins 2 blocs de hauteur. Hein. C'est le minimum pour une pièce digne de ce nom. Ouais, j'avoue. Je suis ravi d'avoir enfin un endroit, moi. Venez me rendre visite quand vous voulez, hein, l'homme des cavernes et toi. Donc on rappelle, Jacqueline voudrait une pièce pour se protéger du soleil. La pièce est terminée. Elle est plutôt satisfaite de ton travail. Bien, au tour du dîner maintenant. Madame nous a demandé de lui préparer une coquille risée au feu de camp, non? C'est faire ça, toi? Attends, je sors mon livre de coloriage et je vais trouver une idée. Envie de péter un plomb. Ouais. Lulu va nous faire, va nous faire péter des câbles, clairement. C'est quoi ce livre? C'est mon livre de coloriage. Comment, tu viens d'inventer les feux de camp? Tu peux désormais en fabriquer si t'as suffisamment de matériaux. Il suffit de combiner du bois et de l'huile à l'aide de cet établi vétuste. De l'huile, je peux t'en procurer, grâce à une généreuse donation d'un gluant dont j'ai croisé la route. Tiens. Il te manque plus que du bois. La peste a dit que tu pourrais ramasser du bois flotté et trouver des tonneaux brisés sur la plage, je crois. Tu devrais te mettre à fabriquer ce feu de camp. J'ose pas imaginer son humeur quand t'as la faim. Mais dans l'idée, vous voyez, j'ai pété un truc de bouffe par terre. Malrose va récolter tous les trucs de bouffe, les items identiques qu'il y a autour de moi. Et en vrai, c'est trop pratique. Genre, je pète du bois. Michel va récolter pour moi. À certains moments, c'est un peu chiant. Mais dans l'idée, c'est tellement pratique en fait d'avoir un PNJ qui te suit et qui est utile. Sans compter le fait qu'il soit extrêmement utile au combat. Bon, on va récupérer quelques trucs de base. On va faire un feu de camp. Et qui te parle. Et en plus, il parle pas mal. Et en plus, il veut plomber l'autre loup. Que demander de plus? Qu'est-ce que c'est? Ça craque, ça brûle, ça crache. C'est un feu de camp! Tu sais qu'il faut pas jouer avec le feu, hein, n'est-ce pas? Bon, la cuisine. Ouais, faut pas jouer avec le caramel, hein, Hello. Elle veut des coquerisées, mais ça fait quoi, ça, cuisiner? Je sais plus. À table! La nourriture prend un peu de temps à cuisiner. Faites preuve de patience et ce sera prêt en moins de 2. C'est un système où, j'avoue, au début, j'étais pas fan. Parce que c'est un système qui était totalement différent de ce qu'on avait dans le premier Dragon Quest Builders. Mais en gros, voilà, tu mets un truc sur le feu, ça a un certain timer, et ça te donne un item à bouffer. Ce qui en soi est plus logique. Mais c'est vrai que en soi, dans le. Ah oui, c'est vrai que ça donne ça. Une ration d'algues croustillantes. Mais en soi, voilà, tu ne peux créer que un plat par emplacement de feu. Dans le premier Dragon Quest, c'était tu prenais tous tes items, t'avais un craft qui te faisait la bouffe, t'en craftais 10 d'un coup et puis basta. Ce qui était plus pratique. Mais là, c'est en soi plus logique. Manger. On va se remettre full bouffe d'ailleurs. Mais ouais, Malrose c'est trop cool. Beaucoup trop cool, Malrose. En plus, il est stylé. J'aime bien, j'aime vraiment bien son chara-design.
Petit mélange de coupe à la Trunks. C'est bien de chercher une logique dans un monde qui est déjà fait de cubes. Ouais. Est-ce que c'est bien de chercher une logique? Après, en soi, quand au début du jeu, c'est un peu chiant. Parce que bah, tu dois te crafter toi-même ta bouffe, etc. C'est un peu chiant. Mais au bout d'un moment, ça devient, bah, en gros, tu peux laisser les PNJ faire ça à ta place. Ils le gèrent tout seuls, donc c'est eux qui font à bouffer, c'est eux qui foutent la bouffe dans les coffres, etc. Donc au bout d'un moment, tu t'en fous. Mais c'est qu'au début, c'est un peu chiant. C'est vrai qu'il y a ça, ouais. Tu dois d'abord faire chaque fois, enfin au moins une fois chaque recette pour que les PNJ puissent les faire, c'est vrai. Après, en soi. Comme je disais, au début, je trouvais ça chiant, mais à partir du moment où les PNJ peuvent le faire eux-mêmes, enfin, peuvent faire eux-mêmes ta bouffe, voilà. Voilà, je me fais un petit peu d'avance, hein, comme ça on l'aura. De toute façon, on va falloir faire cuire des huîtres après là. Ça me rappelle les innombrables plats à faire dans Breath of the Wild. Ça va une fois ou deux, mais ça devient vite casse-pied. C'est vrai que oui. Après, t'en as pas 50 à faire non plus, quoi. Oui, non, mais je m'en fais quelques-unes. Ouais, je sais, je sais, je sais. Mais ne serait-ce que faire tout le truc de départ en fait. Mais en soi, je trouve ça largement plus pratique. Ben justement, le fait de. Que les PNJ fassent la bouffe. En soi, voilà. Comme je dis, au début, c'est chiant. Après, bon, bah. Tu vas juste piocher dans les coffres, quoi. Tu leur poses la matière première dans un coffre. Tu leur fous un feu de camp. Ils cuisinent eux-mêmes. Ils te remettent de la bouffe dans les coffres et basta. Mais comme je dis, voilà, au début, il faut au moins faire les premiers plats toi-même. Et après, ça va quoi. Dylan, je voulais te demander quelque chose. Toutes ces histoires de fabrication, de matériaux, de bâtisseurs, qu'est-ce que ça signifie exactement? Ah, donc tu obtiens des matériaux en cassant certains objets et tu les utilises pour fabriquer d'autres choses. C'est ça être bâtisseur? Je comprends mieux. Hein? Tu devrais déjà être au courant. Vous êtes peut-être nombreux d'où tu viens, mais en ce qui me concerne, t'es la première bâtisseuse que je rencontre. Hein. Enfin, je devrais déjà être au courant. Hein. Enfin, je crois, vu l'état actuel de ma mémoire. Mais quand ça me reviendra, je te raconterai tout. Mes premiers pas, mon enfance dans un monde sans bâtisseur. En attendant, si t'as besoin d'un coup de main pour casser des choses, n'hésite pas. Je suis pratiquement un expert en démolition. Tu te souviens de ces coquilles que Lulu nous a demandé de lui apporter? Il en reste sûrement dans les parages. On aurait toutes les ramassées pour nous. Ouais, crabe. C'est quoi cette chose? C'est pas une de ces coquilles risées que la peste t'a demandé de lui apporter? Je serai toi, je ferai attention. C'est le genre de truc à te retourner l'estomac quand c'est pas bien cuit. Ah, littéralement, les fruits de mer, hein. Bon, on va en ramasser un maximum. C'est même parce que Malross, sans armes, frappe aussi fort que moi avec mon bâton. Clairement, c'est lui le DPS du groupe, hein, je vous l'ai. Il tape même. Ouais. Ah mais le chara-design de Malrois c'est très cool, j'aime vraiment son style. Bon, ça en fait 7, on va ramasser celles qui sont là-bas au fond. On a 12, c'est largement suffisant. Bon, celle dans la.
Les petites bulles là, gros, globalement, c'est des coquilles irisées enterrées. On va les laisser, on s'en fout un peu pour l'instant. Ta na 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 na. Ta 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 na na. Oui, on a la posture de sprint de Goku enfant. Hey, cuisine ton huître là. Attention Dylan, t'as fait tomber cette coquarisée dans le feu. Ah d'accord, c'est comme ça que ça se prépare. Donc les bâtisseuses savent aussi faire la cuisine. Cette coquarisée va mettre un moment à cuire. On devrait se mettre à la recherche de matériaux si tu veux mon avis. Ah bah je les ai déjà. Mais attendant que ça cuise, on va faire les lits. Ah non, faut pas. Faut que je lui reparle. J'ai oublié ça. Hop, allez, vas-y. Voilà. Et là, fabrique une coquerisée cuite. C'est ta toute première. Hein, cet arôme. Est-ce bien là le fumet délicat d'une coquerisée cuite? J'exige comme la porte. Non. Quoi, tu joues avec le feu, bâtisseuse? Donne-moi cette coquerisée. Non. Putain. Chaque fois que tu dois lui parler, doit être une épreuve. Ouais, ouais, mais clairement. Vas-y, étouffe-toi avec, là. Cette saveur iodée mêlée à la texture granuleuse du sable, un vrai délice. Mais il n'y a pas que les coquerisés dans la vie, hein. Si tu ramasses quelque chose qui a l'air un tant soit peu mangeable, essaie de le faire cuire au feu de camp. Un repas cuit est bien plus sain et nourrissant qu'un repas cru. Et n'oublie pas, hein, en cuisine, il faut pas avoir peur d'expérimenter. Dans les jeux où t'as un personnage aussi chiant, ce serait bien d'avoir des vrais choix, genre l'envoyer se faire foutre de temps en temps. Clairement. Très clairement. Et si on faisait cuire Lulu? Ah bah, même cuite, j'en touche pas, je la clean là, c'est pas où elle a traîné. Hein. Ah mais où sont mes manières hein? Je vous ai pas demandé vos noms. Nilan et Malross? Nilan, je sais déjà que tu es bâtisseuse, et toi Malross? Je suis pas sûr à vrai dire. Hein. Je sais que je me suis réveillé sur cette île, mais avant ça, c'est le néant total. Voyez-vous ça? Une apprentie bâtisseuse et son ami l'homme des cavernes amnésiques. Quel duo surprenant. Oh, t'y es pas du tout. Si tu crois qu'un homme de ma trempe irait faire ami-ami avec cet avorton, tu rêves ma pauvre. Ah, puisqu'on parle de rêve, je commence à fatiguer. Cette journée a été longue et j'ai l'estomac bien rempli avec cette coquérisée. Jacqueline, elle a mangé une moule et c'est fini. Hein, c'est... Arnian, ça avance cette paillasse que je t'ai demandé? Je commence déjà à compter les moutons. Hein. Peut t'aider à les compter plus vite si tu veux. Malross, il est débâtisseur. Exactement. Le couchage rudimentaire constitué d'un tas d'herbes sèches. Et c'est reparti, il a ressorti son livre. Qu'est-ce que t'as inventé cette fois? Ah ouais, tu penses pouvoir fabriquer une paillasse à partir d'herbes sèches? Il me semble avoir vu quelque chose de sec et d'herbeux sur la côte à l'ouest. Ça pourrait être ça, non? Juste un petit envie là de... Ouais, quand tu tapes les PNJ, ils sautent. Faut pas le chercher. Bon, de l'herbe. Mais ça, je peux pas encore le péter. Aucune idée. Non. Oui. Bon, de toute façon, ça, on le verra plus tard. J'imagine qu'on peut pas encore interagir. Ah, si. Nilan examine l'étrange sculpture en pierre, mais rien ne se passe. Sans moi, t'es arrivé. Hmm.
Oui. Bon, 27, ça devrait aller. Je suis en train de me demander d'ailleurs, est-ce que je pourrais pas lui faire un bâton à Malrose en fait, pour commencer. Le jour où je jouerai à ce jeu, je pense qu'à chaque fin de dialogue avec elle, il y a forcément... Ouais, ouais, c'est ça, ta gueule qui partira en réflexe, hein, instant de survie. Ah, mais tellement. Oui, je sais que il y a des armes en particulier, mais je sais plus si le bâton, il peut le porter ou pas. Non. Du coup... C'est quoi, Jacqueline, on va te mettre là, comme ça t'auras les pieds au courant d'air. Oui, y'a un chien. Et puis nous, on va se mettre là avec Malrose, on sera bien. Formidable, Nilan, tiens, fabriquer un lit chacun. En journée, faire une petite sieste nous permettra de regagner de l'énergie. Et dormir pendant la nuit nous protégera des dangers qui se tapissent dans l'obscurité. Ah, je me demande ce que mes parents diraient s'ils savaient que je côtoie une bâtisseuse, hein. Et sur une île déserte, qui plus est. Parce que les héritiers de Chaos ont attaqué Château Yonde, ma ville natale, ces monstres effroyables les ont abattus de sang-froid. Déterminé à venger leur mort, je suis monté clandestinement à bord de ce navire de malheur. Mais ils m'ont capturé avant que je puisse agir, et on connaît la suite. Je vois tellement des mobs démoniaques affreux faire de la tapisserie de la nuit. Ah, tellement. Ah, père, mère, me voilà naufragé sur une île déserte en compagnie d'une roturière et d'un homme des cavernes. Mais je survivrai car je sais que vous veillez sur moi. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir réglé le problème. Oui, le problème du couchage. Maintenant, si vous voulez bien, je suis fourbu, c'est l'heure d'aller de dormir. Alors, Malrose, va falloir prendre ton lit et vite. Vas-y. Attends là, dégage par là. Hein. Voilà. Voyons voir, la pièce est réparée, mon lit est fait, je suis repu. Ma foi, je crois bien que c'est tout pour aujourd'hui. Je veux dire qu'avoir une bâtisseuse à portée de main est d'une grande utilité. Ah, difficile de croire que tu n'es qu'apprenti. Nous sommes coincés ici, mais il faut voir le bon côté des choses. Je vais pouvoir te donner plein d'autres tâches à effectuer pour t'aider dans ton apprentissage. La vie de naufragé est loin du luxe auquel je suis habitué, mais je pense qu'on va bien s'amuser. Quant à toi, Malrose, ce sera l'occasion de t'ouvrir à la civilisation et d'apprendre les bonnes manières. Nilan, tu partiras tous les jours à l'aube me ramasser 30 coquilles risées et 50 morceaux de varech. J'exige que tout soit cuit pour l'heure du déjeuner, compris? Nick. Oui, oui, oui. D'accord. Genre tu vas te coucher, ça sort les pots de peinture, rouleaux, les bâches. Ah ouais, ouais, ouais. Ah bah voilà, bah Jacqueline s'est foutue à la porte toute seule, très bien. J'espérais que Lulu se calme après avoir obtenu ce qu'elle voulait, mais en fait c'est de pire en pire. Quoi qu'il en soit, je suis bluffé. T'as réussi à produire tout ce dont on a besoin pour survivre malgré tout. J'aimerais tellement pouvoir en faire autant. Ah. Dis Nilan, est-ce que je peux me servir de cet établi? J'aimerais essayer de fabriquer quelque chose moi aussi. C'est quoi, on va même faire mieux. Ah, je peux pas le déplacer! Je voulais le foutre juste à côté du lit de l'autre là. Après t'avoir observé toute la journée, je pense avoir compris le truc. Regarde Nilan, moi aussi je vais devenir bâtisseur. Alors, qu'est-ce que tu faisais en premier déjà? Ah non, c'est pas ça. Eh, pourquoi ça marche pas? Et nous, on le regarde sans rien dire. Ah d'accord, tu l'as voulu, prends ça!
Est-ce que je me suis trompé? Je comprends pas. Ah, pourquoi j'arrive pas à créer des choses jusqu'à jamais bâtisseur si ça continue comme ça? Pouah, tant pis. Je pensais que ce serait marrant de fabriquer des objets, mais c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Désolé, Nilan, mais tu vas devoir te charger de la fabrication toute seule, je compte sur toi. Et vu tout ce que t'as fait pour Lulu, je pense qu'il est grand temps que tu me fabriques quelque chose, y a pas de raison. Ah bah voilà. J'ai eu d'idées! Je sors mon livre de coloriage! La massue de chêne. Ça va bon, motherfucker! C'est pour moi? Merci, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un vieux bout de bois? C'est une massue de chêne? Et je dois m'en servir pour casser des choses? Ha! Formidable! C'est tout à fait pour moi, ça! Allez, je prends! Ah, cette massue me plaît beaucoup. J'ai hâte de voir les dégâts qu'elle peut faire. Autant la mettre à l'épreuve tout de suite. J'en reculerais si j'étais toi. Quel bonheur, Evelyn! Ah, les gluons n'ont qu'à bien se tenir. Et dire que tu l'as fabriqué à partir des débris que t'as trouvé sur la plage, t'es vraiment doué. Merci Nélan, cette massue est le meilleur cadeau qu'on m'ait jamais fait. Enfin, je crois. Hein? Tu sens ça, Nélan? Une sorte d'aura néfaste. Elle émane d'un monstre bien plus dangereux que les minables petits gluants qu'on a vus jusqu'à maintenant. Si tu veux mon avis. C'est l'occasion idéale de t'apprendre les bases du combat. Suis mes instructions et tu deviendras un pro en un rien de temps. Le monstre se trouve quelque part à l'ouest le long de la côte. Allez, viens, on va lui écrabouiller le crâne. Nouvelle destination. Oh, let's go. Oh, taper des trucs. Taper des choses. À l'assaut. Les dégâts qu'il met. 21. Le mec il crit quoi en plus. Yeah. Et qu'est-ce que... Là, quand t'as mis ta main en l'air, là, j'ai été saisi d'une irrésistible envie de la frapper. Comment ça, top là? Ah, c'est ce qui se fait entre amis quand on a réussi quelque chose? Le contact humain n'est pas vraiment mon truc, mais je peux peut-être faire une exception. En fait, qu'est-ce que t'as pensé du combat? Je sais pas pour toi, mais ça m'a donné la pêche. Tant que c'est dans ça va, Michel, hein, et que tu veux pas la tarter, tout va bien. Ouais, clairement. Level up! Malrose devient plus fort, et Nilan atteint le niveau 2. Ses PV max augmente. Réduire ce rat en bouillie était plutôt satisfaisant, non? Comme s'enlever une croûte qui gratte. Ah, c'est vrai que lui, il a toujours des images bien précises, tu vois. mais je sais que t'es bâtisseuse avant tout. Si tu préfères que je m'occupe des combats pour te concentrer sur la construction, ça me va aussi. J'aimerais avoir tes talents de création, ça a l'air vraiment amusant, mais mon fort, c'est plutôt la destruction. On ferait mieux de rentrer avant que Lulu ne pique tous les lits. On peut pas lui faire confiance à celle-là. Je serais toi, je dormirai que d'un œil. Nélan? Je suis heureux de t'avoir rencontré. Qu'est-ce que tu dirais d'aller explorer toute l'île rien que tous les deux? Enfin, ça attendra demain, hein, je suis lessivé. Moi, je vote pour. Hein. Le sommeil est la moitié de la santé. S'allonger dans un lit la journée restaure vos PV, mais si vous allez vous coucher le soir, vous vous endormez immédiatement. Oh, qu'est-ce que j'aimerais tellement. Et vous ne vous réveillez que le lendemain, fraîche comme une rose. Qu'est-ce que j'aimerais tellement. Ta-d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 a
Bonne nuit. Putain, il est déjà réveillé à la fin. Bonjour les paresseux, j'espère que vous avez bien dormi car aujourd'hui débute notre nouvelle vie de naufragés. Pour commencer, vous allez me ramasser du varech sur la... Ah! Ah non! Qu'est-ce qu'il y a, un monstre? Ma coquerisée, elle a disparu! Quoi? Elle est malheureuse à vous, c'est toi qui me l'as volée, hein. Je t'avais gardé un morceau exprès pour le petit déjeuner. Prends-la-moi immédiatement! Qu'est-ce que tu racontes, ma pauvre, hein? J'y ai pas touché à ton coquillage à moitié mâchonné, là. Hein? Cette aura. Qu'est-ce que c'est cette fois? Eh, venez vous deux. Oh, c'est Malros. Venez vous deux, vous voudriez pas rater ça. C'est sans doute le mal appris qui m'a volé ma coque irisée. Ho ho ho. Je sais pas, j'ai l'envers. Ouais, Michel sait plutôt bien manier le marteau, hein. Je rêve où ils viennent fendre cette falaise en deux, et ça, est-ce que ce sont des marches? Non, par ici, jeune Jonathan. Ce spectambulant ne pense pas sincèrement qu'on va le suivre aussi. À bien y réfléchir, il pourrait peut-être nous en dire plus sur cette île. Suivons-le, j'ai beaucoup de choses à lui demander. Par contre, je vais juste faire un truc. Me faire deux ou trois coquilles irisées cuites pour le chemin. Hello Islin, comment ça va? Ça va, et toi? Ben, ça va tranquillement. Reprise, enfin redémarrage de Dragon Quest Builders 2. On replonge, on rechute, ça y est. D'accord. Et on va s'en faire une troisième. Hop là. Allez, let's go. C'est monté. C'est vu, hein, aussi. Les effets de lumière sont pas dégueulasses en vrai. Ils sont plutôt pas mal. Non, par ici. Allez, on ne traîne pas. Ah, reste tout seul, monsieur l'esprit frappeur. J'aime pas ça du tout. D'ailleurs, c'est sûrement lui qui a changé la couleur du ciel. Mais on s'en fiche du ciel. Qu'est-ce que vous attendez pour aller récupérer mon petit déjeuner? Voilà, nouveau bâtisseur. Web. Web, web, web. Ça y est. On se refait le jeu tranquille pour réapprendre à jouer. Et après, bah, on reprendra nos reconstructions d'îles. Bouffe des cailloux, arrête de saouler, métalement. Ah, si on pouvait lui préparer des cailloux à bouffer, quoi. Là, je le préparerai avec plaisir, là. Non, par ici, les petits, nous sommes presque arrivés. Il nous mène un bateau. Ce vieux marteleur ne souhaite quand même pas qu'on le suive jusqu'au sommet de cette montagne. Ce monstre possède un pouvoir étrange. Je n'ai jamais rien vu, rien senti de tel. Vite, rattrapons-le. Prends cette algue et tout toi avec.
Ah, c'est bien comment, en l'espace de... Même pas un live complet, hein, Lulu, elle a mis tout le monde d'accord. J'aime beaucoup. La blinde de piment dans sa prochaine coquille risée, là. Ah, mais si seulement on pouvait. Wow. J'avoue. Un truc mal cuit, là. Que tu blindes d'épices en plus. Je m'attendais pas à trouver un endroit à Paris sur une île déserte. Ouais. En avant, Dylan. Le marteleur n'est plus très loin. On va lui tirer les vers du nez pour connaître les secrets de cette île, tu vas voir. Oui. Tu nous échapperas pas, petit voleur de... voleur de petit déjeuner, pardon. Rends-nous le mollusque et on te laissera partir sans te faire de mal. Jacqueline, c'est un fantôme, comment tu veux lui faire du mal? Parce que déjà, quand j'ai fait le jeu la première fois... Ah oui, non mais clairement, de toute façon, ouais, surtout, je connais pas quelqu'un qui dit un bon... Oh, trop bien, Spergy. C'est vrai. Tu fais mal cuire le truc, Jacqueline condamnée à aller sur le trône et tu voles le PQ. Mais clairement... Non, mieux. Tu laisses une feuille. De PQ. Un carré. Voyons, cher enfant, tu ne laisserais pas un vieux marteleur mourir de faim. Y a pas d'excuse qui tienne. Dylan avait préparé cette coquille risée spécialement pour moi. Et j'exige que tu me la rendes, espèce de vieille ermite poilue. Ah, Dylan, oui. Cela fait une éternité que j'attends la venue d'une bâtisseuse sur cette île. Une petite minute. Comment sais-tu qu'elle est bâtisseuse? Non, tu es bien perspicace, mon enfant. Vois-tu, si j'ai volé cette coquille risée, c'était justement pour attirer ton ami ici. Regarde autour de toi, Nilan. Cela fait des lustres que ce temple est en ruine. Et si tu es réellement une bâtisseuse, toi seul peux le remettre en état, oui. Tu trouveras tout ce dont tu auras besoin pour effectuer les réparations dans ces coffres. Mais il est vrai que sans plomb, une novice telle que toi pourrait rencontrer des difficultés, oui. Oui, c'est tout de suite l'esprit frappeur. Si tu crois que qu'on va réparer tout ça gratuitement, tu te mets le doigt dans l'œil. Et d'abord, c'est quoi un plan? Attends, je sors mon livre de coloriage, je devrais trouver l'idée. Ah, pardon, tu remplaces le PQ par du papier de verre. Ah, c'est pas mal aussi, j'avoue. Bon, notre premier plan. Oh, j'avoue. Tu remplaces le PQ par une coquille risée, j'avoue. Comme ça, elle aura sa coquille risée du matin. Pourquoi t'as dessiné Céline sur le sol, Dylan? Ah, c'est un de ces plans dont tu parlais le marteleur. Ça alors, t'as réussi à dessiner le plan du temple de la montagne alors que tu n'es jamais venu ici? J'en crois pas mes yeux. Et maintenant, il reste plus qu'à le construire en suivant le plan au bloc près. Si ce vieux fera pas dingue à dit vrai, ces coffres devraient contenir tous les matériaux dont t'as besoin. C'est simple, dispose des blocs de murs façonnés en carré et place un bras zéro sur chacun d'entre eux. Et si tu te trompes, utilise tes gants pour changer de pour les changer de place. Alors, t'es prête à montrer au père luisant ce dont tu es capable? Suis le plan et tout ira bien. Et avec le pavé tactile, on peut revoir le plan. C'était pas là. C'était pas là. Ah ben oui, mais il faut être dessus, je crois. Ouais, voilà. Comment il est au courant? Ben, si vous observe depuis la veille, il a eu le temps de vous entendre répéter que le perso est une bâtisseuse. Mais clairement! Mes premiers murs de bois façonnés. Mes premiers blocs de murs façonnés, pardon, je... Ouais. Des bras zéro.
Hop. 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 Et attends, c'est quoi ça? Hop, hop. Ah, c'est un caillou. De loin comme ça, je crois que c'était des papiers. Notre premier plan. High five, bro. Bravo Dylan, t'as fini de réparer le temple. Et t'as même pas l'air fatigué. J'aurais dû te demander de me construire un palais. Ça devrait pas être trop difficile pour toi. J'aimerais quand même savoir d'où t'as sorti ce plan. Attends, je sais. Ce livre que tu portes sur ton dos, c'est une sorte de mode d'emploi pour bâtisseur, pas vrai? Tu peux rien me cacher, Dylan. Je suis trop doué. Tu ferais mieux de me le laisser le lire. Non! Comment ça, non? Qu'est-ce qui va pas, Dylan? T'es rouge comme une pivoine. Une petite minute. Me dis pas que tu as caché un magazine dégoûtant entre les pages du livre. Magazine dégoûtant? Pas grave. Suffit de le nettoyer avec un chiffon humide et... Oh, t'as fini de réparer le temple, oui. Je savais que je pouvais compter sur toi. Tu as l'âme d'une vraie bâtisseuse, Dylan. Rapide comme l'éclair, oui. Tu as dessiné ce plan pratiquement les yeux fermés. Oui, bon, malheureusement, c'est un peu con, mais... Oui, malheureusement, c'est très naïf, en effet. J'ai quelque chose à te donner pour te remercier de ton travail, oui. Tiens, tu l'as bien mérité, oui. Le martal! Réduisez les blocs en morceaux en tapant fort dessus. Un marteau? Il se moque de nous? Et mon petit déjeuner alors? Ceci est un maillet géant. Ah non, c'était l'ermite. Bah, c'est un maillet géant! Un outil indispensable à toute bâtisseuse qui se respecte. Grâce à ce maillet, tu pourras casser des blocs plus solides et ainsi récolter davantage de matériaux. Oui. J'ai d'autres choses à te donner, Nilan. Ça va te plaire, c'est certain, oui. Je te fais cadeau de cette île. Mais t'as bien entendu, elle est toute à toi. Du plus petit grain de sable au dernier bloc. Comment? Toute l'île lui appartient? Mais elle a fait réparer le temple. Je te pose des questions. Et toi, t'as rien foutu? On t'a posé une question? Eh ben non, bah laisse-moi tranquille. Autrefois, en ce monde, vivait un bâtisseur de légende. Lorsqu'il découvrit cette île, l'île de l'éveil, il décida d'en faire un paradis sur terre, oui. Mais désormais, tout n'est plus que ruine. Oui. Il ne subsiste de ces temps anciens que la volonté du bâtisseur de légende incrustée dans la roche. Oui. Ouais. Oui, clairement. J'ai longtemps attendu la venue d'un nouveau bâtisseur qui m'amènerait ce lieu à la vie. Bloc après bloc, oui. Et tu veux que Dylan se charge de tout le travail? On sait même pas ce qu'on doit construire. Ce qui est même par rapport au premier, c'est que t'as pas besoin de fabriquer plusieurs maillets. Ouais, t'as pas besoin de refabriquer tes outils, ça c'est cool. Et d'abord, qui es-tu, le spectre, hein? Qui nous dit que t'as le droit de lui faire cadeau de cette île? Mais j'en suis l'esprit gardien. Je peux en faire ce qui me plaît. Eh bien, te voilà pratiquement devenu propriétaire d'une île, Nilan. Bon, c'est ce que je le suis littéralement. Alors, qu'en dis-tu? Si t'acceptes, est-ce que tu me laisserais rester? J'ai nulle part où aller, de toute façon. J'aimerais aussi rester, si ça te dérange pas trop. À moins que... au moins jusqu'à ce que je recouvre la mémoire. Alors, Nilan, acceptes-tu de devenir propriétaire de cette île? C'est une offre que tu ne peux pas refuser. Non. Tu sais, Nilan, père m'a toujours dit de saisir les opportunités au vol. Tu vas pas laisser celle-ci te filer entre les doigts, tout de même. Ah, je savais que tu prendrais la bonne décision. Est-ce qu'on pourra baptiser cette île Lululand? Bien entendu, il va me falloir un palais, hein. Malheureusement, je te charge de... Lululand, tu rêves, ma pauvre. Aujourd'hui marque la création de l'empire funeste de Malros. Pas vrai, Nilan? On pourrait même offrir Lulu en sacrifice. J'aime beaucoup Malros. Lulu reste si elle fait tout le boulot, sinon à la mer.
En vrai, c'est très con, mais je viens d'avoir une idée d'un truc qui pourrait être sympa à faire sur l'île. Mais bon, j'ai déjà eu d'autres idées, donc c'est chiant. Imagine, tu sais, sur ton île de l'éveil, tu te démerdes à amener Lulu sur une petite île que tu construis au large, tu fais une prison, et tu la mets elle toute seule au milieu. Ça peut être pas mal. 100% sur la première île, tu l'enfermes. Ah, petit chenapan, cette île appartient à Nilan désormais. C'est à elle de prendre ce genre de décision, oui. Tu l'exiles de tout le reste, bisous. Mais oui, non, mais tellement. J'imagine que tu dois avoir hâte d'essayer ton maillet géant, Nilan, oui. Essaie de casser le mur derrière moi. Oh, j'avoue. Clairement, ouais, j'avoue, j'aime beaucoup l'idée. Une surprise renversante t'attend de l'autre côté, ma petite. Ouais. Tiens. Oula, 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 oula. Des cailloux. Et je dirais, bah, bah. Gros cailloux. Des gros cailloux. T'as passé une surprise, l'ermite poilu? C'est juste un pas dominable. Peut-être... Peut-être à tes yeux, jeune demoiselle, mais ce panneau d'affichage est en réalité un portail, permettant à la base d'Issas d'entrevoir certaines dimensions parallèles. J'en expliquerai davantage plus tard. Pour l'instant, tu peux déjà observer les merveilles qui se trouvent au-delà du portail, oui. Alors, les bâtisseurs peuvent partager leurs photos préférées sur le panneau d'affichage. Inspirez-vous-en pour créer vos propres créations. Je vois qu'un truc minable dans cet endroit, et c'est loin d'être le panneau. Ouais, je suis assez d'accord. Hein. Vous devez vous connecter au réseau pour accéder au panneau d'affichage. Vas-y, fais péter. Vous devez créer un compte pour profiter des... J'accepte. Votre compte a été créé. Voilà. La commu, les gens complètement baboules qui font des dingueries. Ouais. C'est pas le pire qu'on ait vu, ça. Oh putain. Oh putain. Ouch. Raison qui m'énerve à tout recommencer sur ce jeu, le fait qu'il faut attendre pour pouvoir casser plusieurs blocs en même temps. Ouais. Les meilleures photos du jeu. Putain. Ah, c'est des malades. Le talent. Oh putain. Ouais, signer le talent. C'est signer le talent, Botafaka.
Ah, oh, mis de Dieu. L'aquarium? Oh, que c'est l'aquarium? Ça? Ah oui. Oh, mais genre, il a fait un ciné... C'est genre cinéma, mais en fait, c'est un aquarium géant. C'est trop stylé. Ouais, les aquariums, c'est un bordel à faire. Des bisous. Ok. Il a fait ça à Verchamps, lui. Ouais. Il a fait ça à Verchamps. À l'aide, hein. Les meilleures îles du jour. Meilleure photo de tous les temps, vas-y, fais... Oh putain. Mais à l'aide, hein. Mais les gens sont fous. Ouais, bah ouais, d'accord, ouais. Ouais, bah ouais. Ah ouais, mon Verchamps, il avait pas la même gueule. Hein. Wouah. Oh, il a dû tellement se faire chier. Oh. Pour refaire un golem. Oh, mais à l'aide. Mais à l'aide. Mais juste à l'aide, en fait. Ah oui, clairement. Oh putain, mais c'est quoi ça aussi, là? Oh. Mais au secours. Ah tiens, je reconnais ça. À l'aide. Ouais, c'est, je pense que c'est Glulande, ouais. Le fameux Glulande. À l'aide. Juste à l'aide. Bon, bref, hein, voilà, ça fait mal un peu là. Ça fait un peu mal à l'ego. Alors, êtes-vous enchanté par ces mondes de toute beauté, petit chenapan? C'est quoi? Ouais. Clairement. Ah oui, j'ai vu tout un tas de magnifiques photos. J'espère que Dylan aura le temps d'en prendre. Je pourrais lui servir de modèle si elle le souhaite. Ah, amusez-vous bien, petit chenapan.
Venez me parler quand vous aurez fini, je vous attends dehors. Enchanté, je dirais plutôt découragé, Michel, hein, je vais me coucher. Alors par contre, ce qu'on va faire, c'est que ça nous servira à un moment ou à un autre, donc on va quand même le ressortir. On va le mettre là. Voilà. Yo. Ah, ton panneau d'affichage te plaît? C'est une fenêtre sur le monde, oui. Ce type de panneau te permettra de faire fi des lois de la physique et de découvrir le travail d'autres bâtisseurs du monde entier. Ouais, parce qu'on peut les visiter, ces trucs-là qu'on a vus. Enfin, certains, on peut les visiter. Tu peux aussi partager tes créations avec les autres bâtisseurs, oui. Puisse le panneau d'affichage t'aider et t'inspirer. Ouais, ben j'ai rien compris, mais si tout ça peut t'aider à me construire un palais, alors je suis partante, hein. Nick, on a dit. D'ailleurs, ça risque pas d'avancer très vite, hein. On risque rapidement d'avoir un problème. Un gros problème, même. C'est cette île. Elle manque cruellement de matières premières. Personne ne peut construire un palais à base de varek et de coquilles risées. Pas même un maître bâtisseur. Ouais, je me rappelle l'île asiatique que t'avais visitée. Ouais, je me souviens. Mais tu dis vrai, jeune demoiselle. Le seul moyen d'obtenir les matériaux dont tu auras besoin, c'est d'aller les récolter ailleurs. Ah, c'est bien, là, comme ça on voit pas Lulu, on est bien. Vas-y, arrête de bouger. Jacqueline. La jeune demoiselle a raison. Cette île ne regorge pas vraiment de ressources utiles à une apprentie bâtisseuse. Et même si vous avez tous les matériaux nécessaires, votre petit trio est loin d'être suffisant en termes de main-d'œuvre, non? Bois et roc font de bons blocs, mais il faut des travailleurs. Oui, tu dois voyager vers d'autres îles pour te faire des amis et les ramener ici. Rencontrer de nouvelles personnes est aussi un remède efficace contre la solitude. Oui, un peu plus d'animation ne nous ferait pas de mal. Une petite minute, le spectre. Je croyais qu'on était coincé ici. Si tu veux mon avis, Nilan, on aura du mal à atteindre ces autres îles sans navire. Une question pertinente, oui, à laquelle le ciel répondra bientôt. Le vieux se fait chier, ouais, ça confirme. Ne prends pas pour des idiots, monsieur l'esprit frappeur, t'en sais pas plus que nous. Mais qu'est-ce que... Navire en vue, et qui l'eût cru? En fait, c'est un Sylph réincarné, je pense. Il se moque de nous, hein? Allez, crache le morceau, qui es-tu? Et si tu réponds l'esprit gardien de l'île, je vais te faire avaler ton marteau. Et pour tout vous dire, ma mémoire me fait défaut sur ce plan-là. L'ai-je d'ailleurs jamais su? Mais j'ai le sentiment qu'en regardant Nilan exercer ses talents de bâtisseuse, tout ça ne tardera pas à me revenir, oui. Pas une minute à perdre. Allons parler avec le capitaine de ce glorieux vaisseau. Bon, pour l'instant, je vais pas faire un tour de l'île, tout ça, on fera ça plus tard. Tac. Pour l'instant, ça ne sert à rien. Donc bon. Autant ne pas s'embêter. Bon. Yo. Ouais, broussaillon. Ça fait une éternité que j'ai pas rencontré d'autres humains d'eau douce. Moi, c'est Barbe Brune. Je parcourais l'océan quand j'ai croisé le sillage d'un des transports d'esclaves des héritiers de Chaos. 1 000 000 000 de billes à bord. J'ai réussi à changer de cap pour les éviter de justesse. Tout ça pour me retrouver au milieu d'une tempête de tous les diables. Impossible de faire demi-tour, pas le sang vert. Ah, j'étais perdu en mer, jusqu'à ce que je vois cette île de Saint-An. Alors là, j'ai mis le cap sur ses rives, toute voile dehors. Ouais. Et vous alors? Combien de jeunes broussaillons comme vous ont échoué ici? Je m'appelle Lulu, et ceci est le royaume de Lululand. Ou alors ça le sera, une fois que Nilan aura fini de le bâtir. Jacqueline, tu vas finir au fond de l'océan, si tu continues. Oh, j'avoue. Oh, j'ai tellement d'idées démoniaques.
Lululand, hein? Un bien beau nom pour un bien bel endroit, Bill Babor. Idéal pour des marins d'eau douce comme vous. Ouais, et un port de refuge pour les un vieux lion de mer comme moi. Qui sait ce que je serais devenu si j'avais pas jeté l'ancre ici? Allez, une prison à la rapture pour Jacqueline à sa part en prod, mentalement. Y'a quelqu'un qui comprend ce qu'il dit? Est-ce que dit Captain Biglouche, Biglouche hein? Je vais vous dire, si vous me laissez rester ici, je promets de faire la navette entre ici et les autres îles. Par monts et par vagues et tout le tintouin. Enfin, je connais ces terres comme ma mer comme ma poche, mais ma poche est trouée, Bill Babor. Si vous entendez parler d'îles dans les parages, je vous y conduirai avec plaisir. Bon, son rafio n'est pas bien grand, mais il a l'air solide. Je serai trop, j'accepterai son offre. Bah, tout se met en place, oui. Ce noble capitaine te transportera jusqu'aux îles avoisinantes, où tu trouveras, j'en suis sûr, des matériaux et de nouveaux travailleurs. Eh ben, ce dont Lululand manque cruellement, c'est de verdure. Ah, j'imagine déjà les parcs, les allées bordées d'arbres, de légumes frais débordant des étals des maraîchers. Dans ce cas, tu devrais commencer par te rendre à Verchamps, oui. Cette île à l'est d'ici est réputée pour ses champs fertiles et ses récoltes abondantes. Tu trouveras une jeune experte en agriculture, et un fier et charmant homme, doté d'une barbe bien fournie. Il devrait pouvoir t'aider, oui. Je vais l'indiquer sur la carte du capitaine Barbe Brune. Il se chargera de vous y amener. T'as entendu ce qu'a dit le monstre tape à l'œil, Dylan? Viens me voir quand tu seras prête à lever l'ancre. Même si elle pèse une tonne. Allez, on va y aller. Ah bah Brune, fais attention que notre langue fourche pas. Ouais, ouais, clairement. C'est que c'est déjà failli arriver. Oui, clairement. Il peut vite y avoir une couille dans le pâté, hein, littéralement, oui. ouais, Dylan, dans quelle direction tu vas lever les voiles aujourd'hui? Eh ben, vers la seule île qu'on a. Quand vous voyagez entre les îles, vos données de sauvegarde sont écrasées, votre sauvegarde automatique supprimée. Ne quittez pas le jeu, n'éteignez pas le système avant d'avoir atteint votre destination. Ouais, c'est totalement ça. Et attention à la porte, à la fermeture des portes, tu peux te pincer très très fort. Mais je te préviens, ce navire est pas fait pour le transport de marchandises, hein. Tu devras laisser tout ce que t'as récolté ici. Et trouver de nouveaux matériaux à destination. Nilan, Malros, vous avez décidé de vous rendre sur cette île? Ouais, on n'a pas l'intention de... On n'a pas de raison de traîner ici. Allez, lui, monte à bord, tu viens avec nous. Ah non? Ouais, mais non, hein. Tu crois qu'on va te laisser tourner les pouces ici? Allez, hop, à bord! Je regrette, mais non. Après ce qui s'est passé sur le navire déshérité de Chaos, je vais pas pouvoir reprendre la mer avant un moment. Hein. Que ça vous empêche pas d'aller explorer Verchamps? Rester ici me va très bien. Je suis plus coriace que j'en ai l'air. Hein. Et puis vous avez été chargé d'une mission importante. Le Lulant a grand besoin de matériaux, de nourriture et de citoyens. Je compte sur vous pour les ramener. Oh, et si vous rencontrez cette experte en agriculture, demandez-lui de transformer cette île caillouteuse en une terre verdoyante et agréable à vivre. Ensemble, nous ferons de Lululand un véritable paradis, digne d'une princesse telle que moi. Partez-vous deux. Lulu sera en sécurité à mes côtés. Ah, si tu crois qu'on va te faire confiance. Enfin, c'est juste la vie de Lily qui est en jeu. Lily? Non, c'est Lulu. Mais... Allez, en route. On a des gens à enrôler de force. L'Empire funeste de Malros ne va pas se construire tout seul. Quand vous viendrez, nous organiserons un grand gala de réjouissance pour fêter la fondation de Lululand. Bon voyage! Nick. Allez, Nilan, en route. J'ai hâte de découvrir Verchamps. Toutes ces histoires d'agriculture et de nourriture me font déjà saliver. Et Carastolek, elle arrête de saouler. Mais clairement, hein, Carasla, moi ça me va très très bien. Allez, on monte à bord. C'est l'heure de lever les voiles. Better.
Alors cette fois-ci, je vais pas faire la connerie de casser le pendron, là. Parce que si on le casse, on peut pas le reconstruire des blocs à cet endroit-là avant quasiment la fin du jeu. Ainsi, le Seigneur de la Destruction s'est lié d'amitié avec une bâtisseuse. Les voies du destin sont impénétrables. Ni monstres ni humains ne peuvent lui échapper. Et qu'elle se noie pendant notre absence. Ah, si seulement. Si seulement. Mais l'heure est à la création. Construis, jeune bâtisseuse. Construit en attendant l'heure de l'éveil. Qu'elle se fasse bouffer. Ouais, bon après là, pour l'instant, tout ce qu'il y a sur l'île, c'est des gluants, donc... Il y a plus de chances que ça parte en Yamété qu'en Grand Fastin, tu vois, c'est... Il n'existe qu'un seul être capable de sortir ce monde de l'oubli. Malros, le seigneur de la destruction. Comprenez pourquoi je l'ai cuté ce truc-là sur le let's play. C'est long. Ah, ça y est. Sympa le gros spoil de début du jeu d'Empêche. Ça les en lettres en fait. Je dois avouer que jusqu'au dernier niveau, j'ai à aucun moment fait le rapprochement entre le fait qu'ils appellent les méchants Malros et notre Malros. Ah, bah si, j'avais fait l'IA, mais en mode. En mode, mais attends, mais comment tu passes de du mec qui nous aide tout le temps à ça? C'est quoi, comment, pourquoi? Après, c'est pas le genre de jeu où l'histoire doit être dingue non plus. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Verchamp, la terre ou la nature la terre a la nature fertile, pardon. On est enfin arrivé. T'as mis de pollu et pas gêné de nous envoyer si loin à bord d'un rafio comme ça. Hein. Vu comment il tanguait, je suis surpris qu'on soit arrivé en vie. T'engages ou pas, vous v'là sain et sauf sur la terre ferme maintenant. Bienvenue à Verchamp. Yarr. Enfin, je présume que c'est Verchamp, hein. J'en ai jamais entendu parler, mais ça ressemble ni à Beran ni à Zan en tout cas. Bon, moi je pars en mer faire un peu de reconnaissance, hein, mais vous en faites pas, je prends pas le large. Je serai de retour à temps pour vous ramener à bon port. Je crois que ce type a bu trop d'eau de mer, hein. Viens Dylan, c'est parti. Je vais voir ce que cette île nous réserve. Et ouais, et lui il casse beaucoup plus vite que nous. Eh vas-y, m'aide pas surtout, quand je dis que t'es trop utile. Il me fait mentir en plus ce con. Pense un instant, ton perso fait le lien. Bah parce qu'en... Après je me souviens plus comment ça se passe, mais... c'est ce qui me semble, c'est qu'il parle du seigneur de la destruction, du seigneur du mal, machin tout ça. Mais il parle pas vraiment de Malros, le seigneur de la destruction. Il me semble. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Après, je sais plus. De toute façon, on verra bien. Cette île est plutôt étrange, tu trouves pas, Nélan? Les arbres sont morts, le sol dégoûtant et collant. Et ça pue comme si on avait laissé un sac de fruits un mois en plein soleil. Je crois vraiment qu'on va trouver la verdure qu'on cherche dans un endroit pareil.
Ouais. Hein? Oh, c'est quoi ce truc? C'est tout rose et ça palpite. Mais c'est quoi? Excusez-moi, je commence déjà à récolter quelques trucs, hein. On dirait une sorte de fruit. Je me demande quel goût ça a. Tu penses que ça se mange ou... Cette saleté m'a explosé au visage. Quelle puanteur, la terre tout autour est devenue sale et poisseuse. J'ai déjà entendu parler de fruits pourris, mais jamais de fruits explosifs. Cet endroit est trop bizarre. Oh. Et du combat dans l'air, Dylan, par ici. Au secours, laissez-moi tranquille. Même si j'étais comestible, ça servirait à rien de me manger, j'ai que la peau sur les os. Ah, l'aide. Ça me plaît bien. Viens, allons voir d'où viennent ces cris. Ah oui, j'aime les gens qui hurlent. Ouais, c'est un peu ça. Hein. On est un peu dans le délire. Hein. Ça servira à un moment ou à un autre. Oh. La liste s'intitule Verchant, terre d'abondance. Le paradis de verdure qui est Verchant est très célèbre pour ses cinq délicieux. Les pages restantes ont été violemment arrachées. Tu récupères plein de ressources. Cette chauve-souris avait du bois sur elle. Reviens ici. Ça sent la baston. Des babourins. Aïe. Voilà. Yay. Ça prendra ses singes à s'en prendre à nous. Bon, voyons ce que la pleurnicheuse peut nous dire. On commence à voir là-bas. Voilà comment je vais finir empâté pour gros singe puant. J'espère qu'il aura une bonne indigestion. Mais monstres ont disparu. Ces froussards ont dû filer la queue entre les pattes quand ils ont vu à qui ils avaient affaire. Depuis quand vous êtes là tous les deux? Depuis que vous avez battu les monstres. Ah je vois, merci pour le coup de main. Je m'appelle Bertil. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? Lui c'est Malros l'amnésique et toi Nilan l'apprenti bâtisseuse et vous êtes là pour trouver un moyen de faire pousser de la verdure sur votre île. Tu sais, venir crier sur les toits, c'est pas sous les toits techniquement. Sur les toits que tu es bâtisseuse est plutôt risqué, on sait jamais comment ils vont réagir. Vous avez de la chance d'être tombé sur moi tous les deux, hein. Et moi d'être tombé sur vous. Bon c'est décidé, on peut pas faire doublette sans briser des règles. En tant que meilleure fermière de Verchant, il est de mon devoir de vous faire visiter sa plus belle ferme. Allez, suivez-moi! Oh, on dit crier sur les toits? Sur tous les toits? D'accord, j'ai toujours pensé que c'était crier sous les toits. Ok, ok. Oh, c'est vrai qu'il faut mapper la carte, j'avais oublié. C'est vrai qu'il faut la mapper soi-même.
Hello Kairos, on est sur PC. Après avoir saigné le jeu sur console, il y a quelque temps maintenant, pas mal de temps, à la sortie du jeu techniquement, et ben on est reparti sur PC. Et on y est, la ferme de Verchamp, l'endroit le plus verdoyant et le plus agréable de toute l'île, ça vous plaît? Je veux pas te vexer, mais ça a rien d'exceptionnel, hein. C'est même pas très verdoyant. Et ça ressemble pas vraiment à une ferme. Oui, je sais, c'est parce qu'on l'a pas encore construite. Hein? Autrefois, Verchamp était le paradis des plantes. Il y avait des fleurs et des légumes à perte de vue. Mais quand les germes méphitiques sont apparus, la terre s'est transformée en une bouillie collante et dégoûtante. Même l'herbe a du mal à pousser. Autrefois, il y avait une grande ferme ici, la plus grande de toute l'île. Et on s'y mettait tous, hein, et je pense qu'on pourrait... Si on s'y mettait tous, pardon, je pense qu'on pourrait la reconstruire. Tous? Ces types-là sont aussi dans le coup? Ah, ils vont pourrir mon blé, là, vas-y. Viens, Philibert, nous devrions pouvoir faire quelque chose. C'est tout ce qu'il nous reste de blé, et ne parlons pas de la terre. Nous avons à peine assez de terre arable. Je m'approcherais pas autant si j'étais vous, Psy Augustin. Ce germe méphitique pourrait vous exploser à la figure. Nom d'un gluant ratatété. Augustin, Philibert, tout va bien? Vite, vous deux, allons voir s'ils vont bien. Ah oui, c'est vrai qu'on a ça. C'est... plus 4 et ça dégage... Ouais, c'est nul. Quand même bizarre de voir Verchamp comme ça. Ah, c'est sûr que, ouais, hein, même pour moi qui avais fait du coup mes épisodes de reconstruction post-fin de jeu, c'est que là, ça fait très bizarre de revoir tout démonté. Mais il y a... De quoi? Ouais. Du courage, hein. Moi j'aurais pas fait ça. Hein. Ouais, ben. Bonne chance. Augustin, Philibert, tout va bien? Ça va, Bertil, mais on peut pas en dire autant de notre blé, hélas. Ce germe méphitique vient de détruire toute la récolte. Hein? Et qu'êtes-vous, juste? Je vous ai jamais vu avant, et honnêtement, ça m'allait très bien comme ça. Voici Dylan, et lui, c'est Malros. Dylan dit qu'elle est bâtisseuse. Oudiou! Ah, faut tellement lui faire une voix du bon cliché de fermier. Mais bon, on va pas le faire. Quel genre d'idiote raconte à tout bout de champ qu'elle est bâtisseuse, hein? Elle a sûrement pris un sacré bon coup sur la tête. Bien dit. Écoute-moi, jeune Bertil, tu nous as peut-être trompé jusqu'ici, mais ne prends pas pour des nigauds. Tu crois que cette soi-disant bâtisseuse va sauver ton plan désastreux? Tu te mets le doigt dans l'œil. Bien, Philibert, allons-nous-en. Ah, d'accord. On va voir les choses en face, ma petite. La ferme de Verchamp n'est plus. Ce rêve est terminé, il faut se réveiller. Ce barbu arrogant m'a vraiment mis en rogne. Enfin, sa grosse barbe mal taillée mise à part, il a pas tort. Aucune chance de reconstruire cette ferme si cette terre est pourrie. C'est une perte de temps. Sûrement pas. Je suis la meilleure fermière de tout Verchamp et Délade est une vraie bâtisseuse. Si on collabore, je sais qu'on peut le faire. Je vois que t'es pas du genre à baisser les bras, hein. Et pourquoi tu veux construire cet endroit au juste? Pourquoi? Comme l'a dit Augustin, c'est mon rêve. Un rêve, hein. Si j'ai jamais trop compris ses espoirs et ses rêves dont les gens parlent tout le temps. Je t'en prie, Dylan, je ne pourrais jamais y arriver seul. Tu veux bien m'aider à reconstruire la ferme de Verchamp, dis? Non. Mais pourquoi? On veut toutes les deux la même chose. Je t'en prie, Dylan, tu veux bien m'aider à reconstruire la ferme de Verchamp, la ferme, juste un bout? On est passé de reconstruire la plus grande ferme à... Tu peux juste un petit bout, s'il te plaît?
Ok, d'accord. Oui, clairement. C'est tellement ça. Faudrait tellement que je le récupère, ce son. Youpi! Maintenant qu'on a une bâtisseuse avec nous, ça va être un jeu d'enfant. Yann Maros, bienvenue dans l'équipe. À cet endroit deviendra la plus grande ferme jamais construite. Alors, on s'y met? Il va d'abord nous falloir un champ pour y planter nos futures récoltes. Je me demande quel serait le meilleur endroit. Seulement, on pouvait avoir une espèce d'indication. Genre le seul endroit où il y a de la terre, en fait. Un épouvantail. S'il va être rempli de foin pour repousser les nuisibles. Qu'est-ce qui se passe, Nilan? T'as l'air bien contente de toi. T'as découvert comment fabriquer un épouvantail? Bien sûr, il y a toujours des épouvantails dans les champs. Si on en plante un dans le sol, tout le monde saura qu'il s'agit de notre nouveau champ. Alors, où va-t-on le mettre? Ah, j'ai trouvé l'endroit idéal. Il y a encore un lopin de bonne terre là-bas, par là. Je suis tout excité, j'ai hâte de labourer la terre. Mais pas tant que tu n'as pas déterminé officiellement l'emplacement du champ avec un épouvantail, bien sûr. Si t'as besoin de matériaux, tu obtiendras des cordes grâce aux plantes grimpantes et du bois grâce aux arbres. Frappe-les avec ton marteau. Hé hey Nilan, construis-nous un épouvantail et place-le au milieu de notre nouveau champ. Bon, techniquement, je dois avoir assez. Ouais. Très largement. Lopin de terre? Il y a un lopin de champ aussi. Ah, ça va être compliqué. Si tu places un épouvantail quelque part, les fermiers vont labourer la terre tout autour pour en faire de la terre labourée, prête à être ensemencée. Ceci est un champ. C'est bien ce que je pense? Oui, c'est un champ. Maintenant qu'on a un épouvantail, tout le monde saura où planter nos récoltes. Je m'occupe du reste, c'est l'heure de préparer la terre. Et salut, là-bas. Pourquoi tu recommences une nouvelle aventure alors que tu avais une save très évoluée? Parce que ça fait 2 ans que j'ai pas touché le jeu, que j'ai complètement oublié comment on joue au jeu, et que j'ai envie de me le remettre en tête avant de continuer ma série de reconstruction des îles, tout simplement. Et surtout qu'en effet, le let's play que j'ai pu faire à l'époque était sur PS4, là où, aujourd'hui, eh bien, on passe sur PC. Pour des raisons très simples. Les mods. Ah, l'agriculture, c'est super! J'aime tellement ça que je mets beaucoup de cœur à l'ouvrage. Toi aussi, t'as l'air enjoué. Tu t'agites dans tous les sens et tu souris jusqu'aux oreilles. Qu'est-ce qui se passe? Hein, j'ai fait tomber quelque chose et tu l'as récupéré? J'étais si heureuse que j'ai mis beaucoup de cœur à l'ouvrage. Peut-être que ça a fini par se matérialiser. Enfin, quoi que ce soit, ce sera sûrement utile. Si tu en vois plus, n'hésite pas à les ramasser. La gratitude gratuite. Lorsque quelque chose leur plaît, les résidents génèrent des points de gratitude. Essayez d'en récupérer un maximum. Parce que ça va servir à fond. Allez, vas-y Jacqueline, on va bosser. Bon, pendant ce temps-là, je fais plus rien. Et puis je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter pour cette première session de retour hein, de notre chute. Sur Dragon Quest Builders. On aura fait une petite session tranquille de reprise et on continuera ça évidemment en live. Hein. Ouais, t'es contente, c'est bien, mais va continuer à labourer, Jacqueline. Oui, ah, arrête. Jacqueline, j'ai compris, t'es contente. Maintenant, va travailler. Merci. Mais oui, comme je dis, on va pas tarder à s'arrêter de toute façon. On continuera évidemment l'aventure en live. Et une fois que l'aventure sera terminée, je pense qu'on va... pas rush le jeu, mais on va essayer d'avancer assez rapidement. Et bien, on reprendra nos lives de la reconstruction. Enfin, peut-être que je change cette notif. Hein. Et merci pour le sub, Elidia. Merci beaucoup à toi pour le soutien à la chaîne. Merci infiniment pour la générosité.
et la bienvenue également à toi sur la chaîne. Allez, il en reste un. Mais en effet, hein, ce serait pas mal que je n'oublie pas de changer cette notif de sub hein, qui n'a plus lieu d'être, hein, puisqu'on n'est plus... On n'a plus le Project Zero, en effet. Chaque live où il y a un sub, faut peut-être que je change la notif, ça fait des mois qu'elle est là. C'est pas ça fait des mois, elle était là jusqu'à Project Zero. Je sais plus hein, quand est-ce qu'on l'a fait. Extrêmement mauvaise langue. Qu'en penses-tu, Dylan? J'ai labouré tout autour de l'épouvantail. Je n'aurais jamais réussi sans toi. Avec tes inventions géniales et ma main verte, on aura bientôt des champs magnifiques. J'ai su que t'étais spécial dès que je t'ai vu. Ah, j'arrête pas de dire que je suis spécial. C'est vrai, c'est risqué d'avouer d'emblée que tu es bâtisseuse. Tout le monde ne le ferait pas. Ouais, donc ça fait des mois qu'elle est là, alors qu'elle était là pour Halloween de l'année passée, hein, on dirait moi qui revote le sapin en mars. Non, je l'ai laissé pendant tout le temps où on a fait Project Zero, qu'on a fini il n'y a pas si longtemps que ça. Ah, tu comprends pas ce qu'il y a de si dangereux? T'as passé ta vie dans une grotte ou quoi? Tout le monde sait que les bâtisseurs sont des ennemis. Enfin, remettons-nous au travail, hein. on a un champ, alors faisons pousser des choses. Mais je valide pour le sapin en mars. Bon, maintenant que la terre est prête, la prochaine étape consiste à semer des graines. Ouais, mais t'es techniquement pour tous les autres lives hors Project Zero, le streamer un peu en roue libre quand même. Ouais, 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 hein, ça va. Tiens, Dylan, c'est pour toi. Des graines de chou! Franchement, labourer, c'est un jeu d'enfant, il suffit juste d'avoir une bêche. Mais il faut avoir le coup de main et l'œil averti pour bien semer une graine. Et je pense que tu es la femme de la situation. Il devrait y avoir 5 graines de chou... 5 graines de chou, Dylan, dis-moi quand elles seront au sommet. Beau travail, Yann, tu as semé toutes les graines avec brio. Attends un peu qu'Augustin et Philibert voient ça, ils nous supplieront de venir cultiver tout ça avec nous. Les graines écloront vite et mon rêve sera un peu plus proche de se réaliser. Grâce à toi, on a un champ labouré et ensemencé. Il ne reste plus qu'à arroser les graines. Tu vois cette petite butte là-bas? Absolument. J'ai des très mauvais souvenirs de cette petite butte. Qu'on avait fait un plan, qu'on l'avait démonté, la butte, que j'avais reposé le plan un peu plus loin, en me disant c'est bon, les PNJ vont reconstruire, et ben je me suis fatigué, ils ont pas reconstruit, j'ai tout fait à la main. Et c'était très chiant. Il y a une source au sommet, mais c'est fatigant de devoir faire tout ce chemin jusqu'à à chaque fois pour quand on a besoin d'eau. C'est là que t'interviens. Pourrais-tu construire quelque chose qui faciliterait notre accès à l'eau? Une sorte de bassin d'irrigation? T'inquiète, j'ai mon livre de coloriage, je sais faire. Le plan du bassin d'irrigation, avec de la terre contaminée et un bloc à détruire. Bon sang! Est-ce que c'est... Mais oui, c'est un plan pour un bassin d'irrigation! T'as fait ça à main levée, c'est incroyable! C'est comme celui que t'avais dessiné sur l'île, hein. Mais apparemment, cette fois, on va devoir trouver des matériaux nous-mêmes. Eh ben, s'il y a quelque chose dont on ne manque pas ici à Verchamp, c'est bien de la terre contaminée. Frappe le sol pour en obtenir si t'en as besoin. Oh, et n'oublie pas de briser le bloc qui retient l'eau quand t'auras fini. Comme ça, on aura un joli petit point d'eau. Et c'était un petit creux, n'oublie pas qu'il y a plein de varèches sur la plage. Oui, pareil. Pardon. D'ailleurs, on va faire ça. Ça livre de chevet, ça fera de la place, voilà. Bon, de la terre contaminée. Alors, allez-y. Vroom vroom. Je peux pas regarder combien il en fallait.
Alors je vous le dis clairement, hein, vous en doutez, pour la phase où on va refaire l'histoire. On va se retrouver avec des constructions dignes de avant la reconstruction. Hein. Des trucs sans toit, des trucs juste de haut, et puis basta, hein, une porte et ça fait une salle. Ah non. Arrête. Vas-y, il m'en manque un. Ah bah attends. Hop là. Et hop là. Un joli petit point d'irrigation d'eau croupie. Et high five. Bon travail, Nilan. Je sais pas trop ce que c'est, mais ça ressemble vraiment au plan. Waouh. Maintenant qu'on a un bassin d'irrigation, on va pouvoir arroser les champs. Je te remercierai jamais assez, Dylan. Arroser les plantes, c'est comme labourer la terre. N'importe quel idiot peut le faire, alors je m'en charge. Ah non, de l'eau qui pue. Ah oui, de l'eau qui pue. C'est parce que quand tu regardes un peu de travers comme ça, t'as vraiment l'impression qu'il y a une petite brume au-dessus. Vous deux, reposez-vous et regardez faire la pro de l'arrosage. Alors donne-moi ça, déjà. Et ensuite, on va quand même aller chercher des trucs à bouffer. Vite fait, hein, pour le départ. Ça va, le mob qui fuit, là, on en parle ou pas? Viens ici. Ah, pas l'impression qu'il y ait d'autres coquilles. J'allais dire des coquilles perles. Ah, des coquilles risées. Allez, ça ira très bien pour commencer. Toi ! En vrai, dans une classe Builders 3, ce serait pas de refus. Ah, mais j'adorerais. Clairement, j'adorerais. J'avais adoré le 1. J'ai adoré tout ce qu'a apporté le 2. Faites un 3, s'il vous plaît. Hop, toujours le bienvenu, ce genre de jeu. Ouais, clairement. Je pense que la commune n'est pas assez grande. Bah, après, je sais que... Enfin, on a vu que le 2 avait quand même eu un sacré accueil. Il y avait eu une grosse commune qui s'était formée autour. Est-ce que c'est toujours le cas? J'en sais rien. J'avoue, je me suis pas forcément renseigné, mais en soi, je pense qu'il y a quand même un large public qui pourrait être touché par le jeu. Je sais que l'un était trop restreint par rapport au 2. Ouais, je pourrais juste pas, j'aurais pas la patience. Bah, clairement, ouais, le 1 était très, très restreint au final. Il y avait de très bonnes idées, il y avait une très bonne base. Et je trouve que ça a très très bien évolué sur le 2. Mais c'est vrai que ouais, le 1 était quand même très restreint. C'est parti, Dylan. Toutes nos petites graines assoiffées ont bu un bon coup. Oui. Ouais, clairement. Mais, c'est vrai. Et voilà, c'est tout. Suffit de labourer la terre, de semer des graines, de les arroser et d'attendre. Plus facile à dire qu'à faire, par contre. Déjà, il faut de la terre saine et il n'en reste que très peu sur l'île. C'est assez simple de voir si la terre est contaminée. Elle est violette et collante. Souvent, elle est couverte de mousse verte, mais si on creuse, elle est toute visqueuse. La seule terre qui est bonne pour le jardin est marron. Là, la terre que j'ai labourée et compare-la à la terre mal en point juste à côté.
Le 1 est surtout très répétitif. Ah, je suis pas tout à fait d'accord. En fait, le seul truc que je pourrais... Bon, en tout cas, que moi, je reprocherais au 1, enfin, c'est mon avis, hein, c'est le fait de devoir repartir de zéro à chaque chapitre. Après, à chaque fois, dans les chapitres, demander de faire des trucs différents, etc. Donc, je trouve pas ça réellement répétitif. En soi, en ce sens-là, le 2 est aussi répétitif. C'est-à-dire que tu refais des bases, tu fais etc. Sur ce point-là, moi, en tout cas, le 1 m'avait pas dérangé plus que ça. Ce qui me dérangeait le plus dans le 1, c'était vraiment le côté où... Comment dire ? C'était vraiment très restreint dans la construction. Si tu ne faisais pas une base, entre guillemets, optimisée pour accomplir l'objectif, et bah t'étais comme un con. Littéralement, t'étais vraiment comme un con. Ouais. Ouais, c'est vrai que pour ça, Ruslune... Ouais. Ouais. Phase 4, je platine que sur le 2. Après, ouais, bon, moi je suis pas. Je cherche pas à faire des platines, etc. Donc. Surtout que les emplacements des bases étaient vraiment petits. Oui, dans le 1, ouais, très très petits. Mais après, si tu regardes, dans le 2, ils sont. Ah, ça dépend des zones. Mais pour Verchamp, c'est pas très très grand, hein, la zone où tu peux réellement construire. On va dire de manière viable. Et utilisable par les PNJ. C'est pas si grand que ça. Peut-être un petit peu plus que sur le premier, mais c'est pas si grand que ça. Hein. Ce qui est dommage. En soi, là, on va jusqu'à l'arbre en face, et c'est tout. En diagonale. Après, on peut construire ailleurs, mais les PNJ ne l'utilisent pas, parce que oui, c'est en dehors de ce qui est considéré comme la ville. Ce que je trouve très dommage. Bon allez, mais écoutez, sur ce, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première session de retour sur Dragon Quest. On aura commencé un petit peu vers champ. Tranquille. Hein. Et puis voilà. Je vous donne rendez-vous ce soir, évidemment. Hein. Ce soir, on se fait une soirée en groupe. On sera sur FF14. On va aller taper de l'extrême, donc... Donc il y a moyen que ce soit drôle. Hein, on va en avoir certains qui vont crier. Voilà. Et d'autres qui vont râler. Donc, il y a moyen que ce soit sympathique ce soir. Rendez-vous aux alentours de 21h30 par là. Pour ces aventures-là. Une ration de légumes grillés, oui. Enfin, c'est plus une ration de choux grillés, là, hein, pour le coup. C'est vrai qu'il y a le mode photo. On peut zoomer comme ça. Ah. Il y avait quoi déjà en... Masqué, non... Expression. Je suis content. Oh, je suis pas content. Ah, je suis triste. Ah, surprise. Très bien. Les émotes. C'est pas un truc que tu débloques après, parce que là j'ai rien. Bon, pas grave. Ah oui, mais en jeu. Oui, pas sur le mode photo. On se rappellera du cadre du début dans les toilettes. Ah, je l'avais oublié, lui. Ah, je l'avais totalement oublié.
C'est vrai que j'avais fait ça, oui. Le fameux cadre, mais oui. Maintenant que vous vous en reparlez, on n'avait pas mis ça aussi dans une des chambres. Dans une chambre. Ouais, les chambres. C'était quoi le chambre? C'était coquin le thème? Ouais, ça doit être ça. Je sais plus, ouais, mais voilà. Avec un débilou tout sourire qui te regarde poser ta pêche, très déstabilisant. Ah, mais c'était un petit peu la marque de fabrique de mes reconstructions. En vrai, il faudrait que je relance vite fait le jeu sur console pour me remettre un petit peu ce que j'avais fait. Pour moi, en tout cas, ça, je le ferai clairement quand on aura fini le jeu. Je le referai clairement pour me remettre en tête les constructions que j'ai pu faire déjà par le passé sur Verchamp et au charbon. Et voir un petit peu ce qu'on pourra faire hein, pour la suite. Et pour surtout reprendre le plan de ce que j'avais fait. La pièce cachée que j'avais fait sur l'île de l'éveil. La seule pièce que j'avais travaillée sur l'île de l'éveil, clairement je vais la faire un copier-coller. Parce que j'étais très très fier de ma connerie. Bah enfin, du coup on va s'arrêter là pour cette session de rechute, hein, voilà. D'abord on va l'appeler comme ça. Là salut pour Jacqueline. Ah mais j'avais fait un truc, j'étais très très fier hein, de mon truc là. Vous la verrez de toute façon, vous finirez par la voir. Mais ouais. Donc comme je disais, rendez-vous ce soir. Ce soir, opération farm en extrême sur FF14, en groupe. Donc il y a moyen que ce soit fun. Donc si vous voulez décompresser un coup pour cette fin de semaine, eh ben n'hésitez pas à passer nous voir. Ça risque d'être fun. Merci à vous d'être venus cet après-midi sur ce live qui n'était pas du tout prévu à la base. Je vous donne rendez-vous ce soir, le bon app, et portez-vous bien, tout simplement. À toutes!